La Poche Bleue, une présentation de Sport Interaction et des concessionnaires Ford du Québec. Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. La formation de départ, the starting lineup, le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre, le numéro 84, number 84, Guillaume Latendresse. Yes, sir! Salut tout le monde! Bienvenue. Salut les amis! Podcast avec un gros choix, ça. Gros show de la Saint-Valentin, c'est ça qu'on a mis en rose. Notre beau vestiaire est en rose, donc bien content les amis. Puis il y a une nouvelle qui est tombée à soir, puis on est bien fiers, puis il faut en parler. 20e capitaine de l'histoire des Flyers de Philadelphie, Sean Couturier, un gars de chez nous qui a eu de l'adversité en fou dans les dernières années, blessure au dos, ça n'a pas été facile, mais nommé capitaine par John Tortorella aujourd'hui. Honnêtement, je sais pas si c'est moi qui est dans le champ, mais il était pas capitaine, puis ça l'a fait enlever ou c'est moi qui ai rêvé quelque part? Je sais qu'il a été nommé aujourd'hui, mais il me semble qu'il avait déjà été blessé, non? Je sais pas. Peut-être. Peut-être qu'il a remplacé. C'était qui était capitaine avant? Giroux. C'était Giroux. Peut-être Giroux s'était blessé ou il était absent et il l'avait remplacé, mais c'est rare. Je sais pas. Faudrait regarder si dans le chat, vous avez cette information-là, n'hésitez pas à nous le dire, là, parce qu'on l'a pas. Ça aurait été le style à Tortorella d'arriver et juste dire on va refaire tout, on va repartir à zéro, puis on va voir c'est qui le leader de cette équipe-là. On m'a testé mes propres affaires, mais quel choix puis quel joueur de hockey. Puis c'est là qu'on voit qu'un joueur qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Ça aide une organisation. C'est un joueur là, qui est arrivé cette année. Puis ils sont en série, les Flyers. Ah non, c'est débile. C'était la pire équipe, une des pires équipes dans la Ligue l'an passé. Là. C'est sûr, c'est un gars de 80 points quasiment. Je ne sais pas combien de saisons qu'il y a. Sean Couturier de 80 points. Mais en tout cas, félicitations à. Non, pas de capitaine depuis Giroux 2021-2022. Puis avant ça, Giroux était capitaine une couple d'années. Fait que... aujourd'hui, c'était la parade. On veut juste envoyer nos pensées là, à Kansas City pour ce qui est arrivé là, avec à la parade. Là, encore une fois, ça n'a aucun sens que ça arrive dans des événements comme ça. Ben, que ça arrive tout court, peu importe l'événement, peu importe l'endroit. Donc, on envoie nos pensées à Kansas City. Puis c'était une journée qui était quand même supposée être heureuse. Retour sur le Super Bowl. Wow, quelle fin de match. Ça a été assez débile comme fin de match. C'est débile de voir ça. Puis c'est débile de voir à quel point un joueur élite, ben pas un, là, mais en particulier Mahomes, quand la game is on the line, comme on dit, moi, ça me fait capoter la séquence, la dernière minute. Je pense qu'il n'a pas pris de time-out. Ah non, c'est... T'sais, il me semble que ça aurait été tout le monde qui est à la télé, les descripteurs disaient « spike le ballon, puis on ira choisir le bon jeu », puis ça, lui, on dirait que c'était un match hors concours, puis qu'il restait une heure pour faire son jeu. Ça me fait capoter, puis c'est trop facile, puis je ne sais pas comment ils appellent ce jeu-là, là, le corn dog, je pense. Ça fait deux années de suite qu'il gagne le Super Bowl avec ça comme le dernier jeu. Ouais, ça a l'air trop facile. L'an prochain, je pense qu'ils vont gagner encore. Ben, en tout cas, je connais pas assez le football, mais de ce qu'on dit, Mahomes ajuste son contrat pour être capable d'aller chercher encore plus de profondeur. Ah non, ça va être exceptionnel. Puis, tu sais, ça a été des hauts et des bas. Puis, je trouve ça plate aussi pour les 49ers qui avaient une belle opportunité. Je pense que le coach a fait comme quatre fois qu'il va en Super Bowl, qu'il a jamais réussi à gagner. Je trouve ça. Ça fait trois fois qu'il mène à mi-temps. C'est ça, trois fois qu'il mène à mi-temps. Puis, ça fait trois fois que Mahomes aussi perdait à mi-temps par 10, je pense, puis il réussit à gagner. Fait que, non, c'est assez fou. Puis, comme tu dis, là, d'être capable d'avoir un sang-froid de même. Là. Wow. Je sais pas si vous avez vu aussi. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Il y a un de ses coéquipiers qui a posté un texte qu'il a mis dans le group chat d'équipe. Je pense que c'est le 1er janvier ou mettons entre le 1 et le 5 janvier. Puis il a écrit I got enough, we're going to the Super Bowl. Puis tu fast forward une couple de mois, il est au Super Bowl. Puis il y a eu un texte aussi avant le Super Bowl, comme one more, puis we're on a mission. Moi, ça me fait capoter. Il a décidé à un moment donné que la saison allait mal, puis il a pas dit faut s'ajuster, il a dit on va gagner le Super Bowl. Bon, parfait. Puis il y a aussi, moi, ce qui m'impressionne, c'est d'un bord, t'as l'équipe de San Francisco qui connaît pas les règlements de prolongation, puis les Chiefs, eux autres, n'ont parlé à journée 1 parce que le plan, c'était de s'en aller au Super Bowl. Fait que c'est assez débile, deux organisations, puis au moins, les 49ers vont apprendre là-dedans. Sinon, comme on a parlé, là, le tragique événement qui était triste aujourd'hui, sinon, la bière légère est disponible partout, dans les épiceries, nouvelle bière, c'est ça, est disponible. N'hésitez pas à nous taguer quand vous la trouvez, 80 calories, pas de sucre, on est bien fiers, puis merci à tous les marchands, les commerçants, qui endosse la poche bleue, qui endosse les bières. On a la LPB normale, on a la rousse, on a la blonde, en tout cas, on a plusieurs, là, la légère, puis ben merci de nous faire une petite place. Le calcul, c'est cinquième saison, on est chaud 23.
Show. Fait qu'on 23. On a fait quoi? On a fait 3 saisons de 40 shows, 120, 143 avec cette année, puis on avait fait 17 shows. Fait qu'à mettons, 160 shows, 10,84. J'ai bu 1684 dans ma carrière de podcasteur. Ouais, c'est, mais ça, tu comptes pas les autres shows que tu as faites, pardon? Non, juste les shows qui ont, ici. qu'on n'en parlera pas. Il n'y en avait pas de 84 là-bas. Travail, il y a un concours qui va être dévoilé prochainement, justement. Donc, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de La Poche Bleue, puis laissez vos commentaires. Ça nous fait plaisir toujours de vous lire, puis d'essayer d'interagir, puis de répondre à vos questions. Vous en avez souvent. Puis on est bien content. Donc, le gagnant aussi avait un concours sur le fameux site web. On est vraiment content. La réponse est exceptionnelle. On vous remercie. C'est difficile quand tu veux revamper, repartir un site web, de trouver ton X quand il y a des TVA Sports, des RDS de ce monde qui sont la notoriété, dans le fond, qui ont la notoriété de dire ben j'ouvre, je vais aller voir des sports, je m'en vais là. Ben merci à toute notre équipe. Depuis une semaine et demie qu'on a parti ça, on est vraiment content de l'évolution. Évolution incroyable. Hier, 60 000 personnes hier sont venues nous visiter sur le site. Ah non, c'est merci assez à vous. Pour un début comme ça, on est vraiment contents. Puis merci à tout le monde. Et Samuel Charbonneau qui est là, il dit « Merci les boys pour le chandail. T'es le gagnant du concours La Poche Bleue sur le site web. » Samuel Charbonneau qui va se mériter le magnifique chandail autographié des mains de Patrick Roy qu'on a reçu lors de notre visite à Québec l'année passée. Donc, l'entraîneur des Islanders de New York qui nous avait offert ce magnifique chandail. Puis, et c'est toi le gagnant. C'est une drôle de journée pour gagner parce qu'il n'était pas trop content aujourd'hui. J'ai vu son équipe patiner. Patrick aujourd'hui. Ouais. C'est assez. Ben c'est ça. C'est ça, la Ligue nationale. Ils l'ont engagé pour replacer la barque des Islanders. Je pense qu'ils vont réussir. Donc, vous voyez dans le bas de l'écran. Suivez-nous, La Poche Bleue Facebook, La Poche Bleue sur X, Instagram et sur TikTok. Bravo, Sam. Et ce soir, gros menu à Poche Bleue. Bien sûr, Marie-Ève Ticaire dans le coin bleu. Vincent Desharnais qui est en train de laisser sa marque dans la Ligue nationale. Il est en train de prendre sa place après un début de carrière qui a été plus long. Tu t'en vas à Edmonton, tu réussis à faire ta place avec un club comme ça. J'ai hâte de lui demander comment on rentre dans le vestiaire. Là. Lui, j'imagine que ça doit être par la porte, mais tu arrives avec un gars comme McDavid, Drysdale, puis tu es un joueur de rôle. Ça doit être stressant quand un gars fait 4 points par match de faire un revirement. Puis 6 hier. 6 passes hier. Ça n'a pas d'allure. 6 passes. Sérieux, tu voles-tu un bâton par jour? Genre? Tu sais, tu passes. Je vais demander ça, puis l'autre question, c'est « Pensais-tu un jour passer dans les highlights of the night avec une passe aussi simple? » Il a fait une passe en zone neutre, 360. Ça doit être malade de jouer avec des gars comme ça. Puis, abonnez-vous, allez voir le site web, on vous remercie. Puis, bien sûr, La Taverne avec Tony Marinaro, Jean Perron et Alain Chantelois qui sont là ce soir. Donc, Tony Jean... est épicé hier. Là. Ouais, j'ai fait son podcast hier puis il sortait du monde de son chat. Là. Ah ouais? Ah, il était... Ah, il était pas content? Comment? Eat an egg, c'est ça l'expression anglaise? Ou... ça voulait être décaliste puis va chier. Ah ouais, hein? En tout cas, on va y en parler tantôt. Ouais. Puis, sur ça, on est prêt à passer avec notre ami Marie Abdicard dans le coin bleu. Une présentation de nos amis de chez Couche-Tard. Salut Marie! Comment ça va? Ça va bien, toi? Qu'est-ce qui se passe de bon dans ta vie? Saint-Valentin, messieurs! Ah, toi aussi! C'est quoi tes plans pour la Saint-Valentin? Il va bien ton Wi-Fi, c'est bon? Ton nouveau Wi-Fi, c'est bon? Tu peux dire à ton chum de laisser faire. Je sais pas ce qui se passe. C'est sûr que ton chum est en train de connecter tout le setup avec la musique, l'éclairage, puis c'est tout. Écoute, faites-moi pas les faux joies, mais honnêtement, là, je sais pas si c'est bon ou mauvais, mais chez nous, le Super Bowl est plus gros que la Saint-Valentin. C'est ça. Fait que je sais pas si c'est le rêve de tout le monde. Chez nous, la Saint-Valentin, vous pouvez en parler à Vincent parce que mon chum, il travaille encore avec Vincent. Il va pouvoir vous dire à quel point c'est un grand romantique. Moi, c'est la même affaire. Le Super Bowl de Saint-Valentin chez nous, c'est pareil. Tu sais pourquoi? Ça finit toujours avec un touchdown. Oh! T'avais pratiqué celle-là, hein? Non, honnêtement, j'ai pensé à ça pendant... Pendant notre... Avec mon Wi-Fi buggé. Ah non, j'allais faire une mauvaise joke. Non, fais pas de mauvaise joke, Guillaume. Puis en passant, Guillaume, moi, j'ai rencontré votre bon ami Dave hier. On était au souper de la Fondation Charles Bruno. Bon ami Dave, mais ça ne me revient pas, c'est qui ça? Dave Morissette. Ah, bon ami, tu m'as mêlé. Méchant grand chum. Ben oui.
En fait, il a tenu à rectifier le tir. Parce que, tu sais, moi, Guillaume, tu me parles de pickleball, comme quoi t'es super bon, puis tout ça. J'ai jamais dit que j'étais super bon. Okay, j'ai une fiche de 0-18. En aucun temps, j'ai dit que j'étais bon. Il n'y a aucune présence. J'ai toujours pensé, de la façon que tu parlais du pickleball, j'ai toujours pensé. Pas parce que j'aime ça que je suis bon. Ben bon. J'aime la boxe, puis je boxe pas. OK, parce que là, Dave, c'est moi le champion. C'est qui le champion? C'est moi et mon équipe, Mathieu Dandono. Ouais, mais ça doit être Mathieu qui est bon, parce que moi, il m'a dit, les gars sont pas super bons. Fait que les gars, je pense que ça vous inclut, parce que apparemment que Dave, il boude un peu. Là, c'est un joueur de tennis, comme beaucoup de joueurs de tennis, il boude un peu le pickleball. Tu sais, moi, je veux Dave pas mettre vraiment le poche, ici. Dave est vraiment poche. Il est vraiment poche. Ah. Okay, ben, c'est pour ça qu'il disait hier. Sérieux? C'est pour ça qu'il disait. Je suis prêt à prendre n'importe quel challenge contre Dave au tennis ou au pickleball devant caméra, anytime, any day. Puis je peux te garantir que je peux le faire avec une pointe de pizza dans la main gauche. Ah ouais, hein? 100%. Puis en plus, il frappe la gauche. C'est une fille qui aime ça rendre les choses épicées. Là. Donc, en cette belle journée de Saint-Valentin... On va le texter Morissette, tu vois. Il est bien mieux après. C'est le seul joueur de pickleball qui joue avec des genouillères de joueurs de volleyball. C'est ça. Ben, c'est un coup qui tombe, tu sais. Il y a une brace. Il y a une brace au genou comme si... Ah non, c'est... En tout cas... C'est pas terrible. Il vous passe le bonjour en passant, messieurs. Mais moi, je voulais juste remettre les choses au clair parce que. Ah, t'as parti à marde, Marie. Arrête de faire semblant que t'es juste la messagère. Là. Tu as voulu partir de marde. Don't kill the messenger. Ouais, c'est ça. on va revenir au sujet sérieux. Qu'est-ce que vous avez de planifié pour la Saint-Valentin? C'est pas vrai. Médaille spéciale pour les Olympiques de Paris. Oui, et ça, je trouve ça super cool parce que. On le sait, hein, quand on parle de Jeux olympiques, l'objet le plus convoité, ben, c'est les médailles olympiques. Puis une médaille, ben, c'est un accomplissement, ça change une carrière, mais ça change une vie. Parlez-en à plusieurs athlètes médaillés. Là, je pense à Alexandre Despatie, Alexandre Bilodeau. C'est des gars que leur médaille a changé leur vie. Mm-hmm. Et je trouve ça super le fun parce que le comité de Paris a décidé de faire quelque chose de spécial, de rendre ce morceau... olympique-là encore plus spécial, en intégrant des morceaux de la Tour Eiffel dans les médailles. Donc, ça, je trouve ça cool parce que l'emblème de Paris, ouais, ben c'est ça, tu sais, on le sait, l'emblème de Paris, c'est la Tour Eiffel, ça a été construit entre 1887-1889, et là, ben la tour a été rénovée à plusieurs reprises, il y a des éléments métalliques qui ont été retirés de la tour, et on a décidé d'insérer ces éléments-là dans les médailles des Jeux de Paris. C'est spécial, je trouve ça super cool. Ben oui, parce que c'est la société d'exploitation de la Tour Eiffel qui a eu l'initiative de faire ça. Puis pour moi, je suis une fille qui attache très peu d'importance à l'objet. Si je regarde mes ceintures de championne, ben ils sont dans le sous-sol en quelque part. T'sais, je suis pas une fille qui est attachée à l'objet, mais je suis une fille qui est attachée au symbole. Juste par exemple, moi, quand je suis devenue championne du monde, c'était à Québec, c'était au Centre Vidéotron. On logeait au Bon Entente, puis c'est con, hein? Juste l'odeur des diffuseurs d'air, ça me rappelle ce moment-là où... Parce qu'il y a comme une odeur particulière. Là. Il y a des diffuseurs d'air au Bon Entente. Et cette odeur-là, ce symbole-là, c'est con, mais ça me fait me sentir bien. Ça me rappelle que c'est ce soir-là que ma vie a changé. Je vois que ta façon de voir les choses, l'odeur qui me rappelle la poche bleue... Ouais, ben écoute, je voulais pas aller là, mais j'étais curieuse de vous entendre, vous autres, les gars. Sur une odeur? Non, mais l'odeur, tu sais, c'est un échangeur d'air, c'est un diffuseur d'air, c'est une odeur d'huile essentielle. Puis ça, pour moi, c'est comme ce moment symbolique-là où ma vie a changé. Puis à toutes les fois que je sens cette odeur-là, puis je suis logée au Bon Entente pour mes chroniques à Salut Bonjour Week-end, à toutes les fois, je revois un peu ma carrière, le moment où ma vie a changé. Puis je suis curieuse de vous entendre, les gars. Est-ce que vous avez des victoires ou des trophées, des objets symboliques comme ça? Ben moi ça non, c'est pas symbolique au niveau victoire ou autre, mais quand je fume un cigare, ça me rappelle mes vacances dans le sud. OK. L'odeur de mon cigare, ça n'a pas rapport à ce que tu demandais, mais je trouvais ça le fun de le dire. Merci du partage, merci. Guillaume. Sinon, j'aime le bleu. J'aime le bleu aussi comme couleur. Il y a vraiment beaucoup de profondeur. Moi, j'étais comme, hey, les gars, ils vont me sortir quelque chose. Hein. Ils ont gardé une pièce d'équipement. Hey, tu parles de souvenirs. Moi, l'odeur de pet et de vodka me rappelle être assis entre Costitine et Guillaume. Fait que ça, c'est ton moment symbolique. Ouais, mais c'est moi qui sentais la vodka, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'imagine que les médailles des Jeux vont être plus symboliques pour les athlètes qui vont les gagner, qui vont remporter une partie de la Tour Eiffel. J'espère que ça va être un peu mieux. Mais cela dit, je trouvais ça cool comme fun fact. C'était très bon, c'était très bon. Ouais, très bon. Mais surtout ton odeur de pète et de vodka, c'est que, ouais, c'est ça. Story of my life. Projet de loi sur la sécurité dans le sport amateur.
Et ça fait plusieurs années qu'on en parle. Il y a eu plusieurs réformes dans le sport amateur et tout ça. Puis là, la semaine dernière, il y a un projet de loi qui a été déposé, qui a été justement annoncé là, par la ministre Isabelle Charest. Et ben, c'est pour assurer la sécurité et l'épanouissement des jeunes. Puis on en parle souvent, ça, à quel point le sport amateur va mal, à quel point le sport amateur est malade et il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Donc, des initiatives comme celle-là, ben, je trouve ça important. Et ben, cette fois-ci, on a créé un poste de protecteur des athlètes. Donc, ce poste-là, c'est un vrai pouvoir qu'on va octroyer au protecteur des athlètes qui va pouvoir enquêter sur une réception soit d'une plainte ou de son propre gré, là, de son propre chef sur l'ensemble des fédérations sportives, des clubs de loisirs et des milieux scolaires. Donc, lui, ça va être comme le big boss, la grosse patrouille de ça. Puis, il va même pouvoir contraindre un entraîneur à témoigner, puis recommander aux fédérations, aux organismes de bannir cet entraîneur-là. Ça succède au poste de protecteur de l'intégrité. Je ne sais pas si vous en rappelez. En 2021, je vous avais parlé de ça dans une chronique. Ouais. C'est supposé de révolutionner. Clairement, ça n'a peut-être pas révolutionné, là, parce que c'est un poste qui a été super mitigé, qui a plus ou moins eu d'impact. Mais ce que je trouve important dans ce projet de loi-là, c'est que maintenant, on va obliger les organismes sportifs et les écoles à vérifier les antécédents judiciaires des entraîneurs. Et ça, je comprends pas. Mais je comprends pas que c'était... Mais ça, c'est partout, ça? Non, mais en fait, c'est ça. La nuance, c'est qu'avant, c'était l'éducation sportive. Nous autres, on faisait les bénévoles. On faisait l'antécédent des bénévoles. Oui, mais avant, c'était les fédérations sportives qui le faisaient. Puis, il y a des sports qui tombent un petit peu dans la zone grise parce qu'il y a beaucoup de sports qui n'ont pas de fédération. Il y a beaucoup de sports qui, tu sais, comme sont on the side et tout ça. Donc, maintenant, que ce soit l'école, que ce soit les clubs de loisirs et tout ça, ils vont devoir visiter les... voyons, vérifier les antécédents judiciaires des entraîneurs. Ça, pour moi, je comprends pas que ça a pris ça, qu'on soit en 2024 pour que ça arrive, là. Mais selon moi, c'est bien beau tout ça. J'ai tellement l'impression que ça va pas résoudre le problème. J'ai l'impression que le problème, le nerf de la guerre, c'est au niveau de la formation. Il y a des fédérations qui ont de l'argent, qu'on est capable de former des entraîneurs et tout ça, mais il y en a d'autres que c'est pas le cas. Il y en a d'autres qui tiennent à bout de bras par des bénévoles qui sont là, ben, du mieux qu'ils peuvent, qui n'ont pas les outils pédagogiques pour entraîner les jeunes, qui n'ont pas les outils pour les développer, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau intellectuel, par rapport à leur sport. Et j'ai l'impression que, tu sais, on met encore le sport comme « vas-y, c'est le fun, va jouer », puis on oublie l'impact qu'un entraîneur, qu'un club, qu'un sport peut avoir dans la vie des jeunes. Un mauvais entraîneur peut avoir des impacts tellement négatifs, alors qu'un bon entraîneur peut avoir toutes les retombées positives. On a des entraîneurs qui ont marqué notre vie, et j'ai tellement l'impression que ça va passer par du financement puis de l'égalité au niveau des fédérations et des sports, parce que on part de loin, surtout... jeunes en ce moment, là, ils ont un besoin criant. À l'école, ils manquent de ressources. À la maison, les parents manquent de ressources. Dans les fédérations sportives, là où on pourrait essayer d'en réchapper une coupe, aussi, on manque de ressources. Donc, j'ai l'impression que ça va prendre plus qu'un protecteur des athlètes. Ouais, parlant d'entraîneur, Marie, il faut les respecter aussi. Puis c'est pour ça que tu voulais me parler de Travis Kelce. Ben écoute, c'est ça, tu m'as fait un super bon lien. La situation de Travis Kelce, on a parlé que le Super Bowl avait été un show incroyable. Moi, j'ai regardé le Super Bowl assis sur le bout de ma chaise du début à la fin. Mais moi, j'ai vu l'altercation en direct et tout de suite, j'ai fait comme « ben voyons donc ». Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant de ça, là, c'est à la fin du deuxième quart, lorsqu'il y a eu un revirement là, proche de la zone début des 49ers, Isaiah Pacheco échappe le ballon et là, Travis Kelce, hors de lui, bouscule son entraîneur, lui crie au visage. Et ouais, c'est ça. Moi, j'aurais été curieuse d'être un petit oiseau pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce vestiaire-là entre les deux, entre les deux demi, là. Ouais. Mais pour moi, c'est inconcevable. Un gars comme Travis Kelce, c'est une idole. Hein. Pour tous ces jeunes qui le regardent, je pense que c'est un des joueurs avec le plus d'attention médiatique, avec autant avec son frère, sa mère, que pour sa relation là, ouais, avec Taylor Swift. Tous les jeunes regardent Travis Kelce. Je peux pas croire qu'on va laisser un tel comportement passer. Je vais quand même lever mon chapeau aux Chiefs qui ont décidé de laver leur linge sale en famille. Hein, parce qu'on n'a pas vu d'éclat autant de la part de Andy Reid que de la part de Travis Kelce. Mais t'as vu un coach champion, c'est quoi? Il savait c'était quoi le moment, puis il a fermé sa boîte, il a mangé à marde, puis après ça, je suis certain que Travis Kelce, aujourd'hui, il sent à tabarouette. Hein? Ben, c'est ça, tu sais, puis tu m'enlèves un peu les mots de Marie, la bouche. Il y a une chose, par contre, excuse-moi de t'interrompre, mais ouais, il l'a mentionné dans une entrevue après que c'est quelque chose que les deux font souvent. Qu'ils viennent avoir un tête-à-tête puis qu'ils se donnent un coup d'ange,
Puis il a dit là, j'étais pas prêt. Ben, je voulais juste rajouter. Moi, quand je dis on banalise le geste, je pense que c'est ça qu'on a fait. Après ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On ne sait pas tout ce qui a mené à cette altercation-là. T'sais, est-ce que la semaine avant, Travis Kelce s'objectait à ce jeu-là, puis là, ben, il y a eu un revirement. On ne sait pas, mais peu importe la raison, ouais. Je pense que c'est quelque chose qui ne se fait pas. On a minimisé le geste là, de la part de Kelce. On a dit, j'ai dit que je l'aimais. De la part de Reed, j'étais hors équilibre. On fait ça souvent. Donc, ouais. Moi, je me dis juste que c'est un geste qui peut pas rester sous silence et sans explication pour l'exemple que ça donne aux jeunes. Ouais, mais faut pas que ça aille trop loin non plus, par exemple. Là, tu lis des affaires là, quasiment dans sa vie familiale. Faut faire attention parce que c'est un triste. Non, je suis pas en train de dire ça. C'est un gars qui a pété un plomb parce qu'il veut gagner le Super Bowl. Arrêtez de mélanger. 123 millions d'Américains de monde. Je suis d'accord avec toi, mais ça reste que de bousculer ton entraîneur, c'est un manque éthique et de respect. 100%. Je pense pas que c'est la Ligue qui va sévir. Je pense pas que l'entraîneur va sévir. Parce que, comme tu le dis, Guillaume, je pense qu'avec la réaction de Andy Reid, il a démontré encore plus de leadership. Puis je pense qu'il a encore gagné plus de respect auprès de ses joueurs que s'il avait benché. Souviens-toi, l'année passée, en début de saison, on a eu Jonathan Marchessault qui a dit à son entraîneur de se faire mettre à boîte en arrière du banc puis de changer sa méthode parce que ça fonctionne. Ça se fait partout. C'est juste que là, c'est le plus gros show de l'année. Puis un geste physique. J'ai hâte de demander à Vincent Dernais, justement, oui. S'il t'avait de faire ça à son entraîneur pour le mettre sur le powerplay. C'est ça, un petit poussé en arrière du banc. Mais bref, avec leur fiche, d'après moi. Cette situation-là va avoir été réglée dans le vestiaire. Puis moi, si je pars en bateau, clairement, je veux que mon capitaine de bateau soit Andy Reid parce que c'est sûr qu'on va se rendre coûte que coûte à destination. Donc, c'était tout un exemple de leadership malgré un geste qui était très déplacé de la part c'est de Travis. C'est vrai qu'il a l'air d'un marin un peu. Écoute, moi, je le regarde, là, puis j'étais comme, c'est sûr qu'on se rend quelque part avec lui, là. C'est incroyable d'être capable de mettre son ego, ses émotions de côté dans un moment où la pression est à son comble pour prendre une décision comme... C'est de l'expérience. Objective. C'est de l'expérience parce que, tu sais, je le connais pas, puis là, je lance ça, mais mettons le coach de Miami qui a l'air d'un jeune fringant, je suis sûr que lui, il aurait répondu. Pis, c'est sûr! C'est sûr! Ouais. Qu'est-ce que Mahomes s'est dit quand il a vu ça? Ben, quand je dis, moi, je pense que ça s'est dégué dans le vestiaire, là, je pense que Andy Reid a même pas eu besoin de parler. Kelce, tu fais là. Mais bref, c'est ça. Et malheureusement, aujourd'hui, ce tragique incident avec la parade, je peux pas croire que ça... Ça me fait capoter. Choisir des bons moments de main, c'est... Je pense que, tu sais, pendant tellement longtemps, puis même encore à ce jour, il y a des gens qui ne vivent que pour l'exploit sportif de leur équipe. C'est la seule lumière, moment... de bonheur, puis on est capable de gâcher ça. Il va y avoir des réflexions sur les prochaines, puis tout ça. Là. Tu sais, ça va mettre... c'est plate pour... Je sais pas combien il y avait de personnes impliquées du mauvais côté là, dans les ceux qui ont tiré, mais je veux dire, pour 2-3 personnes, ça va enlever peut-être les prochaines fois. Là. Tu sais, il y en aura peut-être plus de parades. Après ça, qui va aller en toute sécurité aux parades et tout ça? Tu sais, je pense que on n'aura plus jamais des parades, des défilés comme on les a connus. Et malheureusement, parce que j'ai l'impression que le monde en ce moment a besoin d'événements positifs comme ça. On a besoin de choses qui font du bien. Ouais. Puis, imaginez-vous une parade de la Coupe Stanley à Montréal, comment les gens seraient heureux. Rappelez-vous, là, dans la pandémie, les Canadiens avaient fait les séries, là, puis c'était la seule chose qui tenait les Québécois debout. Là. C'était le Canadien en série. C'est juste les Alouettes, la parade qu'ils ont eue. Oui, exact. Merci Marie. Vincent, il reste 3 bouchées de steak. Il vient de m'envoyer une photo. Mais moi, je comprends pas. Vous y avez dit à quelle heure, à Vincent? À 9h15. Ah, à 9h15. Fait que, dans le fond, on fait toujours la même routine avec toi. On appelle l'invité après. On dit on s'excuse. Marie a encore dépassé. Ben, c'est ça, mais c'est parce que Vincent, vous n'avez même pas besoin de l'appeler. Marie a chiolé parce qu'il y a des rondes de 2 minutes à la boxe. On y offre 3 puis on en prend encore trop. C'est ça. Ouais, ben moi, je prépare une entrée en UFC, des rondes de 5 minutes. Je trouve que ça fait du sens. De toute façon, j'ai le cardio pour le faire. Fait que. Ça serait bon. Mais Vincent, il me remerciera de finir ses bouchées de steak. Oh, salut. Salut, les gars. Très intéressant, puis super le fun tout le temps. Et sur ça, on passe. Notre invité est prêt, je pense que je regarde. Il est prêt, pas à peu près. Je regarde le steak, ce qui restait. J'ai hâte de parler. Ça, c'est la vraie routine Ligue nationale. Il va grosseur. Il fait... Bon, je suis prêt. on passe à la première période. Vous est présenté par la Ford Mach-E 2023. Jusqu'au 29 février seulement, obtenez une garantie prolongée de 4 ans sur 100 000 km avec 0 $ de déductible et des pneus d'hiver à l'achat ou à la location d'une Mach-E 2023.
Découvrez aussi la Macke Select à taxation intégrale en location à seulement 159 $ par semaine pendant 48 mois avec un acompte de 1 000 $ incluant les rabais gouvernementaux. Offre exceptionnelle à durée limitée. Tous les détails, Ford.ca. Et on est prêt à, recevoir notre invité. Il a l'air prêt, pas à peu près. Comment ça va, Vincent? Ça va bien, vous autres? Yeah, ça va bien. T'as-tu bon ton steak? Ah, il était bon. Steak au Four Seasons, là, c'est rare que tu te trompes. Là, vous êtes où, là? Saint-Louis. Oh. C'est pas mal la ville pour rester à l'hôtel, justement, puis manger un steak, mais... Ouais, ben, on est arrivé à 6h30 aussi à l'hôtel, fait que il y a bien des gars que c'est du room service à soir. Là. Ben ouais, c'est ça. Hey, c'est-tu pas la plus belle... Ben, une des plus belles parties. En tout cas, moi, je m'ennuie de ça dans le National Hockey. La bouffe des hôtels, là, comme je regardais ton setup, le petit iPad, la télé, le steak, c'est-tu pas ça la vie, à peu près? Écoute, il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Comment ça se passe pour toi depuis le début de l'année, ça, quand on voit votre saison en deux temps, mais de ton côté, personnellement, comment t'évalues ta saison à date? Je pense que ça va super bien. C'est sûr qu'au début de la saison, quand l'équipe au complet, tu perds, ben, même si personnellement, ça va quand même bien, ben, tu te sens tout le temps comme s'il faut que tu en fasses plus pour aider l'équipe. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui est assez perfectionniste, fait que tu sais, je me remettais un peu en question de comme qu'est-ce que je peux faire de plus pour aider. Mais tu sais, ma mentalité, c'est à chaque matin je me lève, c'est bon, aujourd'hui je m'améliore. Peu importe c'est qu'est-ce que je fais, que ce soit une journée off, que ce soit une game, que ce soit une pratique, je veux m'améliorer, je veux devenir meilleur, que ce soit juste un petit peu, ben c'est déjà ça. Puis je pense que j'ai mon développement cette saison va super bien. Puis je prends à chaque game, je prends de plus en plus de confiance. Fait que puis en plus, ben quand t'en gagnes 16 en ligne, ben on dirait que tout va bien, hein. Fait que non, c'est je suis vraiment chanceux de jouer pour une aussi bonne équipe comme ça. Qu'est-ce qui se disait dans le vestiaire quand ça allait mal? T'sais, j'imagine là, pour les joueurs de rôle, on a tous été des joueurs qui avaient des rôles différents dans la Ligue nationale de hockey, mais quand tu as un Mick David, quand tu as un Dreisaitl, tu sens-tu la pression d'extra quand ça va mal, admettons? Parce que la réalité, c'est que ces gars-là font 3-4 points par match presque. Là. T'sais, puis quand tu perds, tu te dis, eux autres, ils font quand même leur job. Qu'est-ce qui se disait dans le vestiaire? Ben, au début, ça parlait beaucoup. Pire que ça allait, moins que ça parlait. Tu le voyais que, tu sais, mettons, Leon, ben, il produisait un peu moins. Connor produisait pas tant que ça comparé à ce qu'il est habitué. Ouais. Fait qu'on dirait que, tu sais, eux autres étaient frustrés envers eux autres mêmes. Fait qu'ils parlaient un peu moins puis se concentraient sur leurs affaires. Fait que c'était cool à voir parce que c'est les gars de soutien, des vétérans de soutien comme Yann Mark, Derek Ryan. Tu sais, ces gars-là se sont levés puis ont dit, boys, on est correct, là. Tu sais, genre, oui, c'est tough, mais toutes les équipes, à travers une saison, vont passer ça. Toutes les équipes. T'sais, même les meilleures équipes, ils vont passer à travers des parties plus difficiles, mais nous autres, on a commencé comme ça. Puis avec les attentes que tout le monde avait pour les Oilers, ben ça a comme empiré les choses. Mais là, tu vois, on n'en parle plus. Là c'est quand les Oilers sont là. Tu sais, les Oilers sont bons, les Oilers sont aussi... Là. Mais là, 35 games, on disait quoi? Les Oilers sont pas bons, ils feront pas un playoff. Oublie ça, échanger de Dreisaitl, échanger tel. Tu sais, c'est... Fait que je pense que c'est bon qu'on ait passé à travers ça parce que, tu sais, je pense qu'on a gagné de la maturité. Puis justement, les gars comme Connor, Leon, ben c'est bon qu'ils passent à travers de l'adversité. C'est bon que ça aille moins bien parce que, tu sais, ça les fait changer leur mentalité un peu. Puis dire, bon, ben je suis tout même. Moi aussi, là, je suis capable de moins bien aller, puis je pense que, en tout cas, 6 passes, selon moi, c'est quand même bon. Hey, tu pensais, c'est pas si pire. Tu pensais-tu, tu m'as sûrement entendu avec Marie-Ève, mais tu pensais-tu que d'un quick-up au hockey, une passe aussi simple serait des highlights of the night? Ah, mais c'est ça, je te l'ai dit hier, derrière moi, Guillaume aurait pu faire la même passe. Puis à l'inverse, tu parles des moments difficiles au départ, mais quand ça va bien, c'est là que c'est plus facile. Puis comment c'était dans le vestiaire? Est-ce que vous en parliez du fameux record plus que vous approchiez? Puis comment ça. C'était quoi le vibe, la différence? Le record, honnêtement, non.
on n'en parlait pas parce que on s'en foutait un peu. Je veux dire, c'est au bout de la ligne, c'est un record qui s'en va dans les livres. C'est ouais. du noir sur blanc, on s'en fout. Ouais. Là. Nous autres, c'est la coupe qu'on veut. Tu peux battre 10 records pendant une saison, puis tu perds en première ronde, puis tes records ne valent rien pendant tout. Mm-hmm. Fait que nous autres, c'était juste gagner chaque game. Puis c'est fou comme la confiance. Qu'on avait, puis qu'on a encore, je pense. Mettons, on perdait par deux, perdait par trois, puis c'est comme, ben non, boys, aucune panique, personne paniquait, puis c'est comme, on sait, on va revenir. Là, on pognait, mettons, un power play, puis on est là, oh là, tu vois, tout le monde se lever. OK, les boys, on est correct, là. Un power play, Connor va faire ce qu'il a à faire, puis on va être correct. Qu'est-ce qui est arrivé pour que ça change? T'sais, c'est facile de dire qu'il y a un nouvel entraîneur, mais tu as pris le soin de me texter que tu me demanderas qu'est-ce qui est arrivé avec Kane pour que ça change le cours de la saison. On est à Washington. Fait qu'on a perdu. Nouveau coach est arrivé. Je pense qu'on en a gagné, je sais pas, 8 en ligne. Après ça, on en a perdu 3. Fait qu'on a perdu Tampa Bay, Floride, puis Hurricanes. On s'est fait varloper. Là. C'était gênant. Ben Washington, avant la game, Leon est comme, il se lève. Pis honnêtement, c'est rare que Leon va être très vocal, puis il va parler. Pis... Fait que les Sled Boys, genre, c'est aujourd'hui. Là. On change ça aujourd'hui. The boat is turning around. C'est là que ça se passe. Puis Kane, c'est un personnage. T'sais, lui, sa mentalité est différente de tout le monde, mais c'est un super bon gars. Puis il voulait motiver les gars à sa façon. Fait qu'il dit, boys, il dit, si on en gagne 5 en ligne, ben il dit, la 6e game, je vais mettre pour le warm-up, je vais porter deux Rolex sur chaque poignet pendant le warm-up. Fait que là, tout le monde est comme, quoi? Il dit, si on en gagne 7, ben je vais porter un Cuban Link. C'est une grosse chaîne, remplie de diamants. Fait que là, les gars sont vraiment OK. On en gagne deux. On gagne la 5e. Là, tout le monde est fou comme la merde. Ben, la 6e game pour le warm-up, il a mis 2 Rolex. Il a coupé ses gants plus courts. Il a pas mis d'épaulettes. Il a pas mis ses coudes. Puis il a mis 2 Rolex. Il est embarqué sur la glace le warm-up avec 2 Rolex. Y a-t-il été obligé d'en acheter une ou s'il les avait déjà? Oh, d'après moi, il y en a une couple. D'après moi, là, il est bien correct avec ses Rolex. C'était drôle là, le voir. Puis il les a portés peut-être 2-3 minutes parce qu'à chaque lancer qu'il prenait, il devenait plus lousse. Il devenait plus lousse. Puis il est comme moi. Au prix qu'il vaut, je vais pas commencer à prendre une chance avec ça, là, mais je pensais jamais dans ma vie voir quelqu'un faire un warm-up avec deux Rolex. C'était incroyable. Ça sort un peu de nulle part, ça, mettons. C'était incroyable. Mais pour vrai, les gars ont embarqué, puis les gars étaient comme, boys, comme, let's get him. Tu sais, parce qu'au début, ils étaient comme, ben non, on le fera pas. Puis là, non, t'as dit que t'allais le faire, tu le fais, let's go. Puis il l'a fait. C'était vraiment drôle. Ça n'a pas d'allure. J'avoue que quand tu dis qu'il voulait booster l'équipe à sa façon, c'est assez différent comme manière. C'est à sa façon. Ça, c'est du Evander. Tout le monde qui le connaît fait ça, c'est Kaner. Ça, c'est genre à Kaner. Ça n'a pas d'allure. Puis tu sais, c'est la partie teammate, mais je veux que tu me parles un peu de l'entraîneur parce qu'on se questionnait lorsque les Oilers ont fait l'acquisition de ce nouvel entraîneur-là, No Block. C'était l'ancien coach de McDavid dans le junior. Puis le premier commentaire de tout le monde, ben c'est bon, ben McDavid qui rentre la patente là-bas, il amène son coach, il amène tout ça, mais en réalité, c'était quoi le speech de McDavid qui l'avait déjà eu, puis de lui qui arrive avec des joueurs qu'il connaît déjà? Ouais, c'était en passant, c'était pas Connor le savait pas, il avait aucune idée, parce que quand c'est arrivé, on était évidemment, puis Connor, il dit non, j'avais aucune idée. Pas qu'il était déçu, mais il était comme surpris, tu sais, il s'attendait peut-être à ce que ça soit un gars qui avait plus d'expérience, ou tu sais, puis il était comme un peu surpris, mais tout de suite, il nous a dit, il est tellement calme, puis il dit, il va amener un peu de la stabilité derrière le banc. Puis je dirais, c'est la plus grosse différence, mettons, pendant les matchs, bien souvent, mettons, Woodcroft, il est très émotionnel, puis il criait beaucoup en arrière du banc, il criait après les arbitres, puis il criait pas après les joueurs, mais pour faire certains jeux, tandis que Chris, il est tellement calme, il est tout le temps le même niveau. Après les arbitres, il va leur parler, il leur crie pas après. Fait que je pense que ça l'amène un calme en arrière du banc, dans,
dans la chambre entre les périodes, c'est rare qu'il va crier, il va parler. S'il y a de quoi dire, s'il y a un joueur à call-out, il va le faire. Mais il est pas, c'est pas quelqu'un qui va crier. Puis je pense que ça le message il passe mieux comme ça. Puis, on parle beaucoup de Chris, puis il fait un super bon job, mais Paul Coffey, là, ce qu'il amène, là, le swagger qu'il amène, la confiance qu'il amène, puis qu'il a donné aux 6 défenseurs, puis aux joueurs d'avant, là, c'est... Je le dis, là, on le sent. Là. On le sent. C'est... Puis des fois, là, entre la 2 et la 3, ça va un petit peu moins bien. Puis il rentre, il s'assoit. Là. Il s'assoit, puis il est super, super tranquille. Il dit, boys, on est correct. Là. Il va dire deux trois phrases. Là. Puis là, oh, on... c'est Paul Coffey qui te parle. Là. Ah, tu bon. Fais comme, all right. C'est vrai, boys. T'sais, on est correct. Il n'y a pas de stress. Là. Fait que je te dirais que le duo ensemble, là, pour vrai, ils font une super bonne job. Puis je l'ai dit, puis je vais le répéter, ils nous donnent la confiance. Ouais. Ça, quand t'es une équipe confiante, surtout avec les joueurs qu'on a, on est difficile à battre. Mais ça a-tu fait bizarre, pareil, Paul Coffey a clairement dit au départ que ça ne l'intéressait pas tant que ça d'être coach. Tu sais, mettons, t'es un joueur, t'es comme, Chris, le gars arrive, ça ne tente pas d'être là tant que ça, c'est spécial. Ouais, puis c'est drôle, tu sais, mettons, les morning skate avant les games, puis les pre-game skate, il embarque sur la glace, mais il est sur la glace. Okay. Il fait pas grand-chose nécessairement. T'sais, il est juste là pour être sur la glace. Puis comme, il sourit, il a du fun, il gagne avec les gars. Mais c'est tellement une bonne personne. Il a tellement un bon cœur. Il est tout le temps souriant, tout le temps positif. Puis j'ai vraiment aimé ça parce qu'une des premières choses qu'il nous a dit aux 6 défenseurs, il dit, moi, boys, il dit, j'ai 2 choses que je me dis à chaque matin. Il dit, je me réveille, je me dis, aujourd'hui, je deviens meilleur. Peu importe ce que je fais, je deviens meilleur. Puis il dit, je vais le dire en anglais, l'autre, il dit, I don't take shit from nobody. c'est 2 affaires. Puis il dit, ça, c'est les 2 choses que je veux amener aux 6 défenseurs. Il dit, on s'améliore à chaque jour. Puis il dit, we don't take shit from nobody. Ah, j'adore ça. Puis je pense que tu le vois, tu sais, ça paraît comment qu'on joue les 6 défenseurs, puis c'est pas Coffey, là, c'est pas rien, là. Non, c'est je suis rentré dans le bus le 3 semaines, puis il était au téléphone sur speakerphone, puis comme je passe à côté, je regarde, puis c'est écrit « Gretz ». Sur speakerphone, au téléphone, genre « Ah, oh, ben ouais, on parle aux mêmes personnes, tu sais. » Je parlais à ma mère, puis mon père, lui, il parle à Wayne Gretzky, la même affaire. Ouais, mais fais juste mettre « Quand c'est ton père qui appelle, écrit Mario Lemieux. » Personne va savoir. Tabarnak, dernier, il parlait à Mario Lemieux tout à l'heure. Il était avec son père au téléphone. Ouais, c'est ça. Tu veux, ça c'est un petit truc à utiliser. Ça représente quoi, Vincent, pour toi? T'sais, on parle, tu connais l'histoire du Canadien de Montréal, d'arriver là-bas, l'histoire des Oilers d'Edmonton, justement. Ouais. Tu parles de Paul Coffey, tu parles de Gretzky. Ça représente quoi pour toi quand tu marches dans ce beau vestiaire-là, le nouveau vestiaire d'ailleurs? C'est fou pour vrai, là, les alumni. J'ai parlé à Fernando Pisani un peu, parlé à Kevin Lowe, j'ai rencontré plusieurs alumni, puis ils m'ont tout dit, c'est une des meilleures fanbases, c'est un des meilleurs fans que quand tu gagnes, là, ils vont tout faire pour toi. Puis je le vois, là, je suis pas un défenseur flamboyant, je suis pas un gars qui fait beaucoup de points, puis je me promène, puis je me sens comme une superstar, là. C'est fou comment les gens apprécient, puis les fans, comme hier, on gagnait 8-4, puis la dernière minute, tout le monde était debout, puis criait comme des Mongols, puis on n'est pas en playoff, c'était pas une game nécessairement importante, puis, mais tu le vois que les gens l'apprécient. Puis évidemment, les installations, c'est vraiment des plus belles installations dans les nationales. Je suis vraiment chanceux de vivre ça comme première équipe, puis à mon entrée, puis d'avoir été capable de m'établir tout de suite. Je suis vraiment reconnaissant, puis je suis vraiment fier de moi de l'avoir fait ici. Tu as fait tout un travail justement pour te rendre là, mais j'ai pas le choix d'ouvrir une certaine parenthèse. Tu parles d'émotion, tu parles de beaux moments d'organisation. Ça doit remplir quelques pages dans ton journal intime, ça? Ouais, je te dirais que... dans mon journal, il faut que je me ramène un peu à la réalité. Je veux que tu le mentionnes. Je niaise pas, là. T'écris vraiment à tous les jours, là. Ouais. Y a-tu un cadenas? Il l'a, en plus. Ah, ben, t'as, Marouette. Ah, oh, c'est-tu beau. Il est pas barré?
Ben non, il est pas barré. Inquiète-toi pas. Le monde, ils savent. Ils ont pas le droit de toucher à ça. T'es, parle-moi de ce journal-là. T'écris tous les jours dedans? Oui, j'ai mes affirmations, si tu veux, là, que mettons, de me faire confiance, de gagner une Coupe Stanley, de m'impliquer dans la communauté, d'être fier de moi chaque soir, parce que je suis quelqu'un qui est très difficile sur soi-même, fait que c'est quelque chose que je travaille justement, d'être fier de moi, puis de pas le faire pour les autres, de pas le faire pour ma famille, de pas le faire pour mes amis, de le faire pour moi, puis d'être fier de moi. Fait que c'est des... Je trouve que l'écriture, c'est quelque chose que, quand je le vois, tu sais, sur noir, sur blanc, ça simplifie un peu ce qui se passe. Fait que quand j'ai de l'anxiété, quand j'ai des choses qui se passent, puis on sait, c'est quand même un business qui est assez rough, là, t'sais, au bout de la ligne, t'es un numéro, puis si tu fais pas le job, ben too bad, puis ciao, on passe au next. Fait que je pense qu'en écrivant, ça me permet de simplifier un peu les challenges que j'ai à chaque jour. Oh, c'est vraiment hot, ça. C'est cool. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais, parce que j'ai lu beaucoup sur ta carrière, puis tout ça, ta première commotion qui est quand même... C'est tourné quand même d'une certaine façon dramatique. T'as-tu commencé à écrire là ou ça fait partie de ta carrière? J'ai commencé à écrire là. Fait que ça, c'était ma première année professionnelle. Fait que j'ai commencé à écrire là, mais j'étais pas aussi. Je voyais pas les bienfaits autant. Okay. Je le faisais pour le faire, plus pour dire ben c'est supposé m'aider, fait que je vais le faire. Puis j'ai commencé à lire plus après ça, puis différents livres qui disaient à quel point c'était bon écrire. Puis un moment donné, j'ai lu un livre qui m'a vraiment inspiré à écrire, puis qui donnait un peu comme des baselines pour comment commencer, puis quoi écrire. Puis j'ai dit, go, je le fais. Puis ça fait peut-être 2 ans, un petit peu plus que 2 ans. Puis là, ça fait 1 an, là, chaque jour, je vais écrire. Parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien, ça fait partie de ma routine. Il y a une phrase que j'ai lue dans un article en anglais, puis ça m'a quand même saisi. Tu sais, tu as eu une commotion, ça a mal tourné, puis à un moment donné, tu parlais de « I wanted to quit hockey, but I wanted to quit on life ». T'sais, je voulais abandonner sur la vie, c'est quand même, c'est deep en crime, là. T'es-tu capable de nous... Guillaume, il l'a vécu un peu avec ses commotions. Qu'est-ce qui est arrivé avec cette commotion-là? Ben, c'était... Dans le fond, j'étais quelqu'un qui... J'ai commencé à vivre des crises d'anxiété l'été d'avant. Je me suis fait laisser par mon ex. Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Je pensais que c'était la femme de... Tu sais, j'allais avoir une famille avec elle, j'allais... La mariée, puis là, paf, ça arrive. Là, je m'en vais professionnel, je m'en vais en Californie, je suis loin de tout le monde, puis là, je tombe une commotion, puis moi, c'était ma première vraie grosse commotion, puis moi, une commotion, c'est, faut que tu sois dans le noir, pas d'écran, pas de téléphone, pas de lumière, puis... Fait que j'ai fait ça pendant plusieurs semaines, je pratiquais pas, j'étais pas autour des boys, je me sentais tellement seul, là, puis c'était pour ça, tu sais, je voulais quitter sur la vie parce que je me sentais seul, je me sentais comme si je servais à rien. Je suis comme, pourquoi je suis ici, moi? Je sers à rien, là. Je peux pas jouer au hockey, je suis loin de ma famille, je suis loin de mes amis, j'ai personne autour de moi à qui parler, pourquoi? Tu sais, je fais quoi, là? T'sais, ouais. Aussi, t'sais, fait que, mais j'en ai parlé à c'est drôle, j'en ai parlé à mon ostéopathe. Pourquoi? Je faisais confiance, je sentais aucun jugement d'elle, puis, tu sais, elle me dit, tu sais, là, faut que t'en parles, parce que là, c'est important, faut que t'en parles. Puis, juste en parler, là, le poids que je me suis enlevé de mes épaules, là, ça a fait ouf. OK, là, je suis pas tout seul. J'ai commencé à prendre la médication pour ça. Puis là, c'est là que j'ai commencé à dire, OK, là, faut que j'ouvre un peu mes horizons. Faut que j'aille chercher différents outils. Puis là, c'est là que j'ai commencé la méditation. J'ai commencé à écrire. J'ai commencé à lire plus. Puis je suis tellement reconnaissant d'avoir vécu ça parce que je serais pas ici présentement. C'est sûr à 100%. Puis c'est drôle à dire parce que quand tu le vis, tu sais, quand je le vivais, c'était la pire épreuve de ma vie. Puis éventuellement, je l'ai dit à mes parents. Puis tu sais, j'ai vu mon père à TV Sport, il pleurait parce qu'il sentait mal de ne pas le savoir. Puis ça me fait mal au cœur que mon père sentait mal. Puis que
ma mère, ça demande, c'est pas de leur faute, là. C'est moi qui l'ai gardé tout pour moi. C'est pour ça que je veux en parler. T'sais, je veux en parler de t'sais, c'est important de parler de la santé mentale. C'est important quand on se sent pas bien, d'en parler aux gens proches parce que oui, peut-être qu'on pense qu'on les dérange, mais non, ils sont là pour nous autres. Puis, si c'est à refaire, là, je le dirais à mes parents tout de suite. T'sais, je leur dirais comment je me sentais. Puis, quand je l'ai dit à ma mère, ben, elle a booké un vol la journée même, puis elle est venue me voir le week-end même. Wow. T'sais, pour elle, c'était un no-brainer. Puis, elle a dit, moi, je suis là pour toi. Puis, juste ça, de voir, fait, OK, je suis pas tout seul. Puis après ça, ben, je me sentais de mieux en mieux, de mieux en mieux. Puis, la commotion s'est comme estompée. Puis après ça, ben, je suis revenu moi-même, je suis revenu motivé, puis j'étais joué dans East Coast League, puis j'ai eu du fun à jouer. Tu sais, je pensais plus à « je veux me rendre dans la Ligue nationale, je veux jouer dans la Ligue américaine, je veux juste jouer au hockey puis avoir du fun ». Puis le coach Bruce Ramsey, là, puis je le texte encore, ce coach-là, j'ai joué 35 games pour lui, puis je le texte encore pour lui dire merci, puis pour savoir comment il va, parce que ce qu'il a fait, me redonner cette passion-là de jouer au hockey, je suis vraiment reconnaissant pour lui. Wow. C'est touchant. Ouais, c'est touchant. À quel point, quand tu te relèves de ça, puis tu es très courageux, à quel point est-ce que tu as changé des choses dans ta routine après? Ah oui, c'est fou, là. C'est fou, là. Puis, on dirait qu'après ça, c'est ce que tu fais, ben c'est pas plus facile, mais tu sais, les petites tâches de tous les jours que des fois tu fais, oh, ça me tente pas, tu sais, ça me tente pas de faire mon lavage, ça me tente pas de faire mon ménage. Tu fais comme, hey, lève-toi, là. Y a pas de, tu sais, comme, man. J'étais au bas, je pensais que je valais rien, là. Je pensais que j'étais une. T'sais, je valais rien dans la vie. Puis là, j'ai repris sur moi, j'ai repris ma motivation, ma passion. Ben tout le reste de ma vie est comme semblait un petit peu plus facile. T'sais. Puis je passe encore à travers différents challenges, t'sais, encore aujourd'hui, t'sais, puis comme tout le monde. Mais je repense souvent à ces moments-là. Ben puis oui. Je pense-y, là, t'étais à l'hôtel à Bakersfield tout seul, dans le noir, à pleurer tout le temps. Je pleurais tous les jours. J'étais pas bien, je mangeais pas. J'avais des crises d'anxiété. J'avais mal à la tête tout le temps. J'avais tout le temps de la pression ici. Puis là, je suis comme, tu sais, pense, t'es rendu où, là? Tu sais, présentement, là, je suis au Four Seasons à Saint-Louis. c'est dans la Ligue nationale. Demain, je vais en pratiquer avec Connor McDavid, Leon Draisaitl. c'est incroyable tout ce qui s'est passé. Puis, je suis vraiment fier pour vrai. Là. C'est pas quelque chose que j'ai eu de la facilité à dire. Ouais. Parce que, comme que je vous ai mentionné, je suis difficile envers moi-même, mais je suis vraiment fier de mon cheminement puis par tous les efforts que j'ai mis pour me rendre ici. Là, c'est assez incroyable. Bravo. Ben, tu fais bien d'être fier puis félicitations d'en parler aussi. Faut pas, je pense que ça fait partie de notre rôle un peu de quand on a une opportunité d'essayer d'aider des gens de le faire. Puis c'est tout à ton honneur de le faire. Puis tu parles de ton parcours, cheminement. Pourquoi, quand tu étais jeune, tu as décidé d'aller aux States comparativement peut-être au hockey québécois? Ben, en partant, moi, l'école, pour mes parents, ça a toujours été important. Ils m'ont tout le temps dit, tu sais, école hockey. Oui, hockey, 100%, mais école. Tu sais, école, c'est super important. Puis, je suis allé à Ulysse, qui est comme un prep school. Fait qu'on voyageait aux États-Unis à chaque week-end pour jouer contre des équipes des États-Unis. Puis, je suis allé, tu sais, nous amener voir, mettons, une game NCAA. Puis, nous amener voir une autre game, là. Puis ma première game, j'étais allé voir, c'était Cornell contre Yale. Puis là, j'ai fait, oh, OK, là, c'est pas junior majeur ici, là. C'est une autre histoire, là. Tu sais, juste les fans, l'ambiance, c'est des fous, là. Voyons, c'est une game de hockey qui se calme, là. Mais c'est des malades. Ils ont toutes leur tradition, leur chant, leur chansons qu'ils chantent. Puis je te dirais, c'est là que j'ai fait, OK, il y a pas juste le junior majeur, mais je voulais quand même être repêché. Tu sais, j'avais 15 ans, je suis comme, moi, tu sais, toutes les. Les petits culs, c'est comme leur rêve. Tu sais, je veux être repêché junior majeur. Puis je me rappelle, j'étais au draft à Québec. Puis il y avait 5 gars du liste qui pouvaient être repêchés. Puis il y en a 4 qui ont été repêchés. Puis il y en a un qui n'a pas été repêché. Il y en a un qui est resté dans les estrades à broyer comme un gros bébé. C'était moi. Sérieux? Puis, ouais.
Ouais, j'étais le seul qui a resté, qui a pas été drafté. Puis je vais m'en rappeler toute ma vie à ce moment-là. Là, je pleurais, j'étais inconsolable parce que pour moi, c'était comme c'était la fin de ma carrière. Là. J'avais 15 ans, j'étais pas repêché, c'était fini. Puis on est rentré, on est allé dans le char, puis on s'en allait. Puis le directeur des opérations pour Ulysse, Christian Sauvageau, il est venu me voir dans le char, je braillais, genre. Puis il dit, inquiète-toi pas. Il dit, les États-Unis, là, je te le dis, toi, tu vas te rendre. Je te le dis, les States, je vais te suivre, je vais t'aider. Puis l'année d'après, je suis retourné à Ulysse, puis mon but, c'était d'aller prep school aux States. Puis je me suis dit, bon, ben si junior majeur ne veulent pas, moi, je vais aller universitaire, puis je vais être confortable avec ça, puis je vais travailler fort, je vais pouvoir avoir un diplôme, je vais jouer au hockey, puis après ça, ce qui arrivera, arrivera. Parle-moi ce parcours-là, justement, tu sais, tu t'en vas à NCAA, je pense que c'était à Providence, ça avait bien été, t'as eu même des trophées pour ton aide dans la communauté, tu sais, t'es devenu ton homme à ta façon là-bas, t'as parlé de l'adversité à laquelle t'as fait face, parle-moi de ton premier appel. T'es appelé, finalement, tu joues dans la Ligue nationale de hockey, ça doit être spécial. Ah, c'est un moment dans ma vie là, que je pourrais vivre à tous les jours, là, ce moment-là. Là. Je me rappelle de tous les petits détails. Puis, mais encore, c'est pouvoir le partager ça à ma famille, là, c'était tellement magique. Puis, un autre poids, c'était un poids comme enlevé de mes épaules parce que je voulais tellement donner ça à ma famille. Mes parents ont tellement fait de sacrifices, ils n'ont jamais eu beaucoup d'argent, ils n'ont jamais été très fortunés, puis ils s'en foutaient. Là. C'était comme, en autant que, tu sais, que nos enfants peuvent aller au hockey, peuvent aller à l'école, on s'en fout du reste. Nous autres, c'est pas grave. Ouais. Puis, tu sais, à Providence, ils venaient me voir à chaque mois, c'est 6 heures, ils venaient me voir à chaque mois, payer l'hôtel, payer la bouffe, le ci, le ça. Puis, je me rappelle, j'étais à Calgary après une game, puis le coach m'a rentré, puis là, juste sa face, je le savais. Tu sais, juste sa face, quand il me regardait, on venait de perdre 2-1, une game importante, puis il y avait le gros sourire. Je suis comme, ouais, pourquoi ça? Puis là, je vois que les 5 coachs sont debout, puis ils ont tous le gros sourire, puis ils sont tous, tu sais, contents. Puis là, j'ai comme fait, aïe, je pense que c'est là, là. Puis il m'a dit, ouais. Il dit, tu te fais call up, man. Il dit, t'en vas jouer pour les Oilers. Ah, je suis parti à broyer comme un gros bébé. Puis après ça, je me suis dépêché, j'étais allé pogner mon téléphone, j'ai appelé ma mère. Puis tu sais, la game vient de finir, ça fait comme 10 minutes. Fait que là, elle est comme, allô, ça va-tu? Là, j'ai. Il dit, ils m'ont pas donné ma passe sur le premier but. Genre, mais donc sur speaker, là, je veux parler à papa aussi. Là. OK, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, je leur ai dit, ma mère a crié, quoi? Tu sais, elle hurlait au téléphone, là, c'était tellement cool, là, tu sais, leur réaction. Puis tout de suite après, j'ai appelé mon frère en FaceTime. Puis mon frère, je réponds, puis il donne le téléphone à son gars de genre 2 ans, tu sais, puis il donne le téléphone, hey, gars, c'est tonton, puis là, non, 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 je veux te parler à toi. Ouais, c'est ça. Non, 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 non. Là, il prend, puis là, il a son T-shirt des Oilers sur lui, tu sais. Fait que là, je dis, ben, mon frère, je dis, j'espère que t'as rien cette semaine parce que je m'en vais dans la Ligue nationale. Ah! Oh! Tu sais, voir la fierté qu'il avait pour moi, puis de pouvoir qu'il puisse vivre son rêve à travers moi. Tu sais, lui aussi, son rêve, tu sais, c'était de jouer dans la Ligue nationale. Mon père aussi. Fait que de pouvoir leur donner, tu sais, cette petite partie-là, c'était tellement spécial. Là, c'était un moment, là, c'était juste à repenser, ça me rend émotif parce que c'était irréel, tu sais, c'était comme... C'est comme pour moi, c'est tout le temps les autres. T'sais, c'est comme, ah non, lui, tel défenseur est vraiment bon, il va se faire call-up bientôt, puis tel défenseur est vraiment bon. T'sais, c'était jamais, ah, Vincent il est bon. T'sais. C'était tout le temps les autres, puis jamais demandé, tu y crois plus vraiment. Puis j'étais juste, ben, gars, moi j'ai du fun, puis je vais travailler le plus fort que je peux, puis si ça arrive, ben, tant mieux, puis sinon, ben, c'est comme ça. Puis quand c'est arrivé, ben, j'ai dit, bon, ben, je vais tout faire pour rester là, parce que je suis tanné de faire du boss là, tous les soirs. Là. Moi, je veux l'avion privé. Puis c'est pas tous les rappels qui sont aussi beaux, par exemple. Tu me comptais, il y a un rappel à Los Angeles, je pense, je me trompe pas, qui était plus difficile.
Ça se peut-tu? Non, mais justement, quand je me suis juste fait coller up une fois. Dans le fond, je me suis fait redescendre, mais c'est parce que j'étais malade, ça, personne ne l'a su. Mais j'étais malade. Puis le GM m'a appelé, il dit « Ouais, tu vas être malade pendant combien de temps? » Ben là, je sais pas, 2-3 jours, là. Il dit « Ouais, mais il dit, salary cap, on est à côté, au fond que je t'envoie en bas. » Fait que je suis descendu à Bakersfield pour 13 heures. Ça m'a pris 27 heures, j'ai fait 27 Arrête. Heures de voyagement pour être à Bakersfield pendant 13 heures. Incluant une nuit en passant, j'ai dormi pendant 9 heures. Fait que j'étais techniquement... éveillé pendant 4 heures pour voyager pendant 27 heures. C'était incroyable. Ça n'a pas d'allure. C'est bon. Mais, quand je me suis fait caller up, dans le fond, j'étais allé rejoindre l'équipe à LA. Ça, c'était le lundi. Puis j'ai juste fait la période d'échauffement ce soir-là. Fait que j'étais content, tu sais, j'ai pu comme me mettre confortable un peu, OK, c'est sans me faire pitcher. Puis là, je texte un des gars, il y avait 2 ou 3 gars qui étaient scratch. Puis je dis, hey, on écoute la game où? Puis là, il me dit, ah, il était à telle place. Fait que là, moi, je suis. Là. Puis c'est comme une. Tu sais, c'est pas la press box normale. Tu sais, là, je rentre là. Puis là, entre la 1 puis la 2, il y a du monde qui commence à nous payer des drinks. Mais là, je suis scratch. C'est ma première game, tu sais, que je suis là dans la C'est ça le show? Là, alors, ouais. Drinks, là, ouais, c'est ça. Je suis okay, là. Ah, fait que là, je sippe un peu, puis c'était du scotch fort, là. Moi, je suis pas trop scotch. Fait que là, je sippe un peu. Je reçois un téléphone du gars des médias. Il me dit « Hey, t'as une entrevue entre la 1 puis la 2 avec Gene Principe. Genre, dépêche-toi bien-temps. » Fait que je suis comme « OK. » Là, j'ai mon verre dans les mains. C'était un verre qui était pas gratuit non plus. C'était quand même donné qu'on s'est fait payer. Puis là, je me sentais mal de le laisser là. Je le cale, tu sais, one shot. J'ai pas le choix. Je pars à courir, je me perds. Écoute, l'aréna, elle est immense. Je me perds un peu. Finalement, j'arrive en bas. Les gars commencent à embarquer sur la glace. Fait que j'ai comme une minute pour parler à Jean. Là, je pense, mon haleine, hey, c'est sûr, je sens le scotch à côté. Là, je me dépêche. Jean est comme, hey, Vinny, Jolo, give me a second. Je m'en vais prendre une gomme, je mange vite, je la pitche à terre. Je fais ma première entrevue dans la Ligue nationale après avoir pris un shot de whisky de scotch. Dans l'aréna, j'avais dit ça. Parfait, parfait. Après ça, téléphone, il sonne. Paul Coffey, il dit « Hey, kid, il dit, viens-t'en en haut dans press box. » Il dit « On va écouter la deuxième puis la troisième période ensemble. » Fait que là, parfait, c'est bon. Fait que j'ai écouté la deuxième et la troisième période avec Paul Coffey. C'était. Je te dis, là, c'était le premier game-là. J'étais comme. Ouais, ouais, Vincent, tu vas jouer. Ah non, moi, j'écoute les games avec Paul. Ah, c'était toute une première journée, je dirais, dans la Ligue nationale. C'était carré. Ouais, j'ai jamais entendu ça. C'était carré. Mais c'est des belles histoires, puis c'est pour ça qu'on aime notre show, justement. Mais c'est pas les seuls beaux moments que tu vis, puis. Tiens, là, Simon, si tu peux montrer la photo. Dernièrement, tu as vécu un de mes rêves. Hey, photo avec Céline Dion dans le vestiaire, c'est pas rien quand même pour un petit Québécois, ça, là. Ah, oh, je te le dis, là, j'étais fier. J'étais fier, là, Céline, là, quand je l'ai vue, là. J'ai le madame... Tiens, en parlant d'anglais, tiens, en parlant... Hey, madame Dion, vous savez comment c'est un honneur. Attends, tu parles français? Ben, voilà, ouais, tu t'es tout content, mais on a jasé. Hein, c'était vraiment... Elle est tellement gentille, là. Sérieux, c'était un highlight de ma vie à date, là, honnêtement. Ben là, oui. Avec tout ce que j'ai vécu, là, ça, c'était... Elle a tellement été généreuse, tellement gentille, puis... Sérieux, là, Céline, elle a une place spéciale dans mon petit cœur. Ça ressemble à quoi, une discussion avec Céline, là, mettons? Elle te demande quoi? Mais elle était super, tu sais, au début, j'étais pas sûr, tu sais, comme j'ai jamais... Céline, je veux dire, moi, Céline, je la vois, puis, tu sais, elle chante tout le temps, puis... T'es-tu capable de chanter du Céline, là, mettons? Non. Écoute, faire ça pour les auditeurs. Je te demande pas de chanter, je te demande si tu chantes du Céline normalement. Peut-être dans ma douche des fois. Ouais. Je voulais juste être sûr que j'étais pas le seul. Mais non, pour vrai, le super, ses enfants étaient super gentils aussi, super polis, puis
Tu sais, je m'attendais un peu à rien, je savais pas trop. Puis elle était super généreuse. Tous les gars ont pris des photos avec tout le monde, puis souriante, puis tu sais, pas bornée. Tu sais, elle pourrait être un peu snob, puis un peu zéro plus une barre. Puis non, vraiment, là. C'était vraiment, écoute, on venait de perdre 3-1, la streak de 16 victoires venait de finir, puis je suis sorti de l'aréna, le gros sourire, tout le monde me regarde, et comme, ça va-tu, là, je viens de rencontrer Céline Dion, moi, je m'en fous de la game, je m'en fous de la défaite, Céline Dion, tu sais qui? C'est la même affaire, justement, tu dis, tu sais qui, admettons, un McDavid ou un Draisaitl, ça les impressionnait-tu autant, ou? Moins. Ouais. Beaucoup moins. Il y en avait une couple de gars qui savaient c'était qui, puis que, tu sais, t'es comme, OK, ouais, c'est big, là. Mais la plupart des gars, c'était comme, ah, ouais, c'est cool, mais sans plus, là. Comme, tu sais, c'est pas méchant, mais tu sais, comme rencontrer Guillaume Ladendresse, Max, c'est c'est cool, c'est le fun, c'est Max, c'est cool. Puis après ça, ben, leur journée continue, puis. Mais moi, c'était comme je rencontrais Connor McDavid. Là. C'est malade. C'était dur pour moi. Là, c'était vraiment cool. C'est un bon moment. Puis tu dis que c'est dans tes highlights, mais première game au Centre Bell aussi, ça doit être pas pire. Ouais, c'était vraiment cool. Justement, je pense que là, ça a fait un an, là, un ou deux jours, là, je pense. OK. Puis, tu fêtes ces anniversaires-là? Non, une minute. J'ai des amis qui m'ont envoyé des souvenirs Snapchat. Là. Puis c'est moi, pendant le warm-up, en entrevue, moi qui, mettons, qui lance des rondelles à ma nièce, moi qui fais un high-five à mon frère, des petites affaires de même, que je pense que c'était ma 9e game dans Ligue nationale. Fait que, cette game-là, tu sais, c'est... Je me suis battu en plus. C'était Michel Lacroix qui m'annonce, tu sais, là, qui... Tabarouette, Michel Lacroix, qui me connaît ici, je suis qui. Puis Michel Lacroix... Hey, le gars, il est pas impressionné par Céline, mais il est impressionné par Michel Lacroix. C'est qui? Non, mais il m'a écrit par après. Il m'a écrit, Michel, parce qu'il a entendu dire que, tu sais, j'étais... grandissant, Michel Lacroix, c'est la voix, là. Ben ouais. Puis il m'a écrit par après... pour me dire que c'était un plaisir de m'avoir annoncé. J'ai trouvé ça vraiment cool qu'ils prennent le temps. Il est tellement fin. Il est vraiment pas obligé. Il est vraiment pas obligé de faire ça. C'est-tu le match où tu t'es battu avec Jacky, ça? C'était-tu un stress pareil? Parce que tu sais, je sais que tu connais le vibe un peu du Québec. Jacky, c'était comme le héros, puis là, tout le monde le voyait invincible. Puis si je me trompe pas, il s'était battu dans ce combat-là en plus. Là. Il s'était blessé dans ce combat-là. Ouais, mais ça s'est passé vite, là. Pour vrai, on perdait, je pense, 3-0. Fait que je voulais comme brasser quelque chose. Puis là, il y a eu un genre de scarmouche devant le net. Puis je suis descendu, puis je le savais, je m'en allais où. Je le savais, je m'en allais le pogner. Puis justement, tu sais, il disait qu'il se pognait contre n'importe qui. Puis je dis, ça va être ma première bataille dans Ligue nationale. Puis tu sais, tu regardes le combat, j'ai pas donné grand coup de poing. C'est plus lui qui me parle dessus plus qu'autre chose. Puis, c'est une bad luck qui s'est passée. Puis, évidemment, tu veux pas voir personne se blesser sur la glace. Puis c'est plate, mais je suis super content. Là, je vois qu'il va super bien. Fait que c'est un super bon joueur. Puis au-delà d'être un bon batailleur, c'est un super bon joueur aussi. Là, fait que je suis pas trop stressé pour lui. J'adore ça, man. Hey, je pense que tu t'es fait une coupe de fans au Québec. Si le monde, qu'est-ce qu'il est fait, lui? Là, il y a plein de monde qui dit qu'on s'ajoute des journaux intimes. Mais non, c'est pas vrai. Je veux juste te dire, avant que tu partes, j'ai tout lu sur ce chat-là. J'ai lu que tu étais le cousin de David Dernay. J'ai lu que tu étais son père. Son fils. J'ai lu que tu étais le fils de David Dernay. T'es pas dans sa famille. C'est pas un cousin. C'est... Okay. Non, c'est je pense, j'avais déjà demandé à mon père, il m'avait dit que c'était comme éloigné, mais tu sais, on se connaît pas, là. Je l'ai jamais rencontré, j'aimerais vraiment ça, parce que ça a l'air super smart. Il y a une couple de gars qui ont joué avec lui à Edmonton. Ben oui, c'est vrai. Puis il me contait certaines histoires que je peux pas raconter sur le pod, malheureusement. Il fait des bonnes jokes.
Ça a l'air que c'est tout un, ouais, tout ouais, un clown. Ça a l'air vraiment smart. Un petit clown. Hey, je vais faire un deal avec toi parce que tu nous as conté une histoire incroyable. Kane qui a fait le warm-up avec deux Rolex. Moi et Guillaume, on va faire un podcast avec deux Rolex si tu nous pognes McDavid. Oh, c'est de la pression. Hey, non, mais là, on va voir si t'as du power dans cette organisation-là. Écoute, laisse-nous faire les plaisirs, les playoffs, laisse-nous peut-être gagner une coupe de round, laisse-nous se rendre jusqu'au bout, puis je vais peut-être avoir plus de pull. On va le prendre avec vos bagues. Merci Vincent, super apprécié. Un gros merci. N'oubliez pas super cool. le brownie avec le coulant au chocolat à Saint-Louis, très bon au Four Seasons. Ah non, j'ai une key lime pie qui m'attend. Son petit morceau de tarte. Ah, that's nice. Oh, wow. C'est pas gênant. Ça, mais attends, c'est parce que vous m'avez dérangé. Il me reste. Christophe, okay, comment c'est frites, mais c'est tout le temps bon. As-tu vu, toi, on voulait t'aider dans ta carrière. Grave. On voulait t'aider. On voulait pas que tu manges toutes les frites. Salut. Merci beaucoup. Salut. C'est le fun de rencontrer du monde de même. Ouais, qui est de bonne humeur, il est heureux d'être là, il est fier. David Desharnais, mon frère gagne dans East Coast avec Cincinnati, avec Dave. Puis là, on s'emmenait chaud d'air. Mon grand-père, il disait à Dave, si tu veux pas vomir, il dit, bois ta bière à l'envers. Il dit, la mousse, ça va tout te faire du bien, ça va passer. Dave essaye ça, vomit partout sur la glace. Mon grand-père, il dit, ah, je suis plus sûr que c'était ça le truc. Mais c'est un si bon Jack, c'est vrai. Il a bu à l'envers, non? Il a essayé de boire à l'envers sa bière, puis il a comme, ça a pas passé, puis il a vomi sur la glace. Ça prend de la succion. Ouais. On vous rappelle qu'on est toujours en direct des Studios Ford, et on passe maintenant au pari de la semaine, une présentation de nos amis de Sport Interaction. Et n'oubliez pas que vous pouvez parier, c'est 19 ans et plus, bien sûr, et partenaire officiel des paris sportifs de la Poche Bleue. Donc, n'oubliez pas le code promo LPB500. Canadien, plus 1,5, mais les Rangers sont à 1,91. Total début dans le match, plus que 6 total est à 1,91. Et Canadien à 3,2 fois ta mise contre les Rangers, ça vaut le risque quand même. Je pense qu'ils viennent après une victoire de 5-0 comme ça. Sont en confiance. Oui, ça vaut le risque, mais les Rangers, quand même, une belle machine de hockey, là, quand tu y penses. Là, belle Rangers, équipe. C'est... Je pense que Shesterkin commence à se retrouver aussi devant le filet. Là. Je sais pas si c'est lui qui va être devant le filet. Peut-être pas contre le Canadien, je ne vais pas manquer de respect, mais. Ouais, mais en même temps, qu'ils mettent un ou l'autre avec Jonathan Quick, comment il goes cette année. Oui, c'est ça. C'est pas mal moi, ce match-là, je vais y aller pour les Rangers, malheureusement. Ouais. Ben, moi aussi. Même si la cote est à 3,2. Mais pour le but, plus de 6 buts, là, je pense qu'on pourrait voir ça, par exemple, un match de 4-3, mettons. Ouais, plus de 6 buts, j'aime bien ça. Puis on fait un petit flashback, puis on revient immédiatement après avec la Taverne Hockey, Jean Perron, Alain Chantelois et Tony Mariner. Les vétérans. Question de rentabiliser l'aspect d'être un athlète professionnel dans les arts martiaux mix. Parce que, évidemment, les bourses sont tabous. Alors, beaucoup de monde se plaignent sur les bourses. Beaucoup de monde qui font même pas ce sport-là critiquent les bourses aussi. Ouais. C'est vrai que si l'UFC veut se comparer au NHL, MLB, tous les sports de grande envergure, on n'est pas au niveau des partages des revenus. C'est ça le problème. Mm. C'est le partage des revenus qui fait mal aux combattants parce que on regarde à NHL, on regarde au football, NFL, le partage des revenus est quasiment 50-50. Quasiment. Partage des revenus UFC est 85-15. 85-15, c'est pas un peu plus, non? Non. 85-15? C'est 15% de revenus qui vont aux combattants. Le reste, ça reste à l'organisation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'union, encore une fois, Les combattants ne font rien pour que ça change. Ça part, ça se plaint, mais il faudrait que les gars au top, les John Jones, ceux qui sont actifs, en ce moment, il faudrait qu'ils fassent une grève ou quelque chose, mais pourquoi? Pourquoi ils le feraient? Mmh. Moi, je suis John Jones. Moi, je suis John Jones. Je regarde les gars qui veulent ma place. Restez en bas, vous autres. Ouais. Non, c'est ça. Puis c'est pas le futur du sport. Les autres, ils seront plus là. Exactement. Mais... Puis ça veut pas dire que t'as été un UFC fighter que ça va se remplir tout de suite. Je te dis ça parce que tu m'en as déjà parlé de ça. T'sais, au début, t'aurais comme... Mais ben, voyons. Dude, j'ouvre mon école, je dis « Ah, man, yo, je suis l'oiseau, bro, man, que tu parles? » Ça va être plein. J'ouvre, je fais mon grand opening. Il y avait plein de monde au grand opening. Première journée. Est-ce que quelqu'un veut s'entraîner? J'appelle mes amis, veux-tu t'entraîner, bro? C'était vraiment vide.
puis ça a commencé, puis il a fallu être constant. C'est comme dans tout dans la vie. Quand t'es constant, puis tu mets les bouchées doubles, puis tu travailles fort, puis t'abandonnes pas, ben, éventuellement, ça grossit. Ça a pris du temps, mais qu'est-ce que tu veux? Mais c'est comme on disait, c'est pas pour tout le monde. La deuxième période vous est présentée par le Ford Escape Hybride Rechargeable 2023. Montez à bord de l'Escape Hybride Rechargeable 2023 avec son autonomie estimée de 831 km. Obtenez jusqu'à 9 000 $ de rabais, incluant les subventions gouvernementales auxquelles s'ajoute un boni de 1 250 $ pour les propriétaires éligibles d'un véhicule Ford. Valable jusqu'au 29 février seulement. Tous les détails sur Ford.ca. Puis Robert Boulanger qui dit les cotes Sport Interaction de l'habit Jean Perron, 1,70 la camisole, 2,25 la chemise hawaïenne ou 5,25 autre. on devrait commencer à se faire des paris des à l'amiable là-dessus. Il y a un autre bon commentaire que j'ai aimé, c'est Francis Noël qui nous dit tu mets 5$ sur le Canadien, tu peux racheter le contrat à Gallagher. J'aurais tout vu. On va prendre plus que ça. Mais on passe à Taverne Hockey, nos chums. Hello les boys! Oh, hello les boys! Hey, Chris, wow. La chemise hawaïenne, argent 2,25. Ouais, ça, on vient de faire de l'argent. Tourner avec ses lunettes. Ben, faut que je montre que je suis. Faut que je montre que je suis dans le sud. Par rapport à ça, je vais impressionner mes voisins. Là. Les voisins qui sont juste à côté, ils nous regardent, ils sont à peu près une dizaine. Là. La gang Aline, parents, là, sont à côté. Puis, hey, là, Alain Jean Delois, puis. Tony Marinaro, là, vous êtes aussi bien d'être bon parce que moi, je parle de vous autres tout le temps et je vous encourage à plus, donner Tony, le meilleur de vous-même. En plus Tony sort du spa. Tony, Jean, moi, je suis toujours bon. Imagine comment la soirée du Saint-Valentin. Comment t'es habillé, toi? C'est sûr, t'as fait ça. T'as fait ça l'air, Tony. Wow. What an outfit! Oh non! Non, mais il est habillé comme une sumo. Oh non! Il est habillé Manon. Comme un ours polaire. Qu'est-ce qui est écrit sur ton T-shirt, Tony? On voit pas. Manon... Je peux te dire, tout le monde tout nu, c'est lui qui brasse. Manon, je vais être honnête avec toi. Avec moi, c'est pas pour la vie, c'est pour la nuit. C'est pas pourquoi j'ai eu peur que tu sois en sous-vêtements pendant quelques secondes. comment ça va le baron? Hey, moi, je vais vous dire une chose. Je regarde ton nez. Vous savez que ton nez est rasé des pieds à tête, de la tête aux pieds. Puis, montre donc ça ton nez, là, ton. Ta cabine avancée un petit peu. Montre-moi ça. Hey. Ça, c'est beau, monsieur, c'est ragoûtant, ça. Non, mais Saint-Valentin. Saint-Valentin. Pourquoi t'as un rasoir? Pourquoi t'as un rasoir, Tony? Peux-tu m'expliquer ça? Parce que le baron sait pourquoi j'ai un rasoir. Moi, à part les poils sur ma tête, là. J'aime pas les poils sur mon corps. Ah, mais Chris, ça pousse donc, pas pendant le show. À tous les jours, je me rase tu sais pas. Mes doigts. En tout cas, hey, Tony, tu seras jamais bon dans le triple saut, toi. Sauter le déjeuner, le dîner, puis le souper, tu connais pas ça. Le triple saut! Sois gentil avec moi parce que tu t'en souviens la dernière fois qu'on était en onde. Je pense encore à vous autres. Mais je peux-tu vous dire. Non, mais ça m'a dit une chose, Tony. Tu sais ce que j'en pense, hein? Expiré en 2022. Après ton podcast, ta femme t'attend. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que Tony en bas est meilleur que Jake Allen en patin. Bon, parce que si Tony en botte, je vais vous dire une chose, il n'y a plus de place pour passer le puck. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut parler de Jake Allen ce soir, oubliez ça. Je vais favoriser la présence de Tony devant le filet. Puis Tony, je tenais à dire d'abord, mon beau Tony d'amour, que ce soir, une face répétée devient triste. Souviens-toi juste de ça. Une face répétée devient triste. Trevor Zegras, Calvas, on n'en parle pas. Oh. Ah, pourquoi on n'en parle pas?
Parce que hey, une passe répétée devient l'an passé au Québec depuis 9 mois. Hey, l'an passé au Québec pendant 9 mois, j'ai dû endurer tout le. Pierre-Luc Dubois ici, là, il va venir, on va faire un barbecue chez nous, là. Hey, il y a 9 mois, il y a un an, vous avez demandé pour un joueur sans cœur. À tous les jours, vous étiez prêt à donner. N'importe qui pour Pierre-Luc Dubois. Mets pas nous autres dans le même bateau, mets pas le baron dans le même bateau que les autres. Pour l'amour du Saint-Ciel. Mais. Je ne te mettrais pas dans le même bateau, mais c'est-tu vrai que trois quarts du Québec voulaient Pierre-Luc Dubois l'année passée? Hey, c'est-tu vrai que trois quarts du Québec voulaient Pierre-Luc Dubois l'année passée? Écoute, c'était, pourquoi si moi, ça... je ne peux pas demander pour Zegras? Je vais dire une chose. Si Pierre-Luc Dubois s'est appelé Michael Smith, il n'y a personne qui nous en a parlé. Nous autres, là, qu'est-ce que tu prends là? Pepito! C'est ça? 350 calories par gorgée. Mais je vais prendre juste la gorgée. En tout cas, comme tu vois, tu prends beaucoup de calories par jour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais prendre juste pense pas que je bois de l'eau toute la journée. Non, mais ton nez, c'est pas ça que je voulais dire. 350 calories par gorgée, tu vois le foie engorgé. Je me trouve de toute façon, Zegras, là, Zegras, il va rester avec les Ducks. Il n'y a personne qui en veut dans la Ligue nationale. Oublions ça. C'est un dérangeant. C'est un joueur qui... Moi, je suis pas d'accord. Non. Écoute, les gars. Hey, j'ai vu ça hier soir que Zegras, c'est le gros problème des Ducks. J'ai vu ça. Il n'a pas joué. Ils ont perdu 5-0. Chance que c'est lui le problème. Non, ben arrête, écoute, Jean Perron, là. Arrête. Hey, Hughes ne prendra jamais un Zegras dans son équipe. Ça, oubliez ça. Ça dépend du prix, Jean. Ça dépend du prix, Jean. T'as pas le choix. Écoute, si le prix est raisonnable puis ils veulent ça écrire, t'as pas le choix, là. Un joueur de talent de merde. Regarde Jack Eichel, personne n'en voulait, c'était pas bon, c'était pourri. C'est l'atmosphère qui était qui est pas bon. Regarde le club d'hier. Alors, t'as peu, là. Écoute, Jack Eichel, là, c'était le meilleur scoreur des. Bon, mais il finissait 32e pareil tout le temps. De Buffalo. Jack Eichel, à un moment donné, il en a eu plein son casque. Il dit, moi, il faut que je sois opéré. Puis la gang de Buffalo n'a jamais voulu embarquer là-dedans. Il est parti pour Vegas, puis la première chose qu'il a faite, il s'est fait opérer, depuis ce temps-là, tout est correct. Oui, je sais, mais on parlait de lui comme un pas bon, là. On parlait de lui comme un trou de cul, là. Avec leur problème, oui. Avec leur médical. Un instant. Tu viens de dire que Jack Eichel était le meilleur pointeur des Sabres de Buffalo. Donc, tu l'as défendu en disant qu'il était le meilleur pointeur des Sabres. Tu viens de dire ça, n'est-ce pas? Ben oui. OK. C'est qui était le meilleur pointeur des Ducks l'année passée? Je vais te le dire, là, c'était Zegras. C'est qui était le deuxième meilleur pointeur des Ducks pas l'année Zegras avant aussi? Ça, à l'âge de 20 ans? C'était bon. Zegras. Mais là, gagnez mon point après trois minutes. Non, écoute, quand tu joues pour la dernière équipe dans la Ligue nationale, puis tu comptes des buts en troisième période, quand tu comptes, le score est 5-0. Hey, ça, c'est OK, donc c'était correct. Moi, là, ce que je veux, c'est un leader à Montréal. Lui, il n'en est pas un leader. Je le sais que toi, tu le défends parce que tu dis que Caulfield a joué avec lui, puis Caulfield aimerait ça jouer avec lui. Mais je peux dire jamais qu'il va jouer pour Montréal. Ce donc, Jean Perron, avec ta logique, Suzuki n'est pas bon. Parce qu'il y a 2 ans, il jouait pour la plus pire équipe dans la Ligue. Puis l'an passé, il jouait pour la 5e plus pire équipe dans la Ligue. Puis cette année, il joue pour la 9e plus pire équipe dans la Ligue. Je vais m'élever la main, là. J'ai pas besoin d'argumenter avec toi. Tu te bats toi-même. Hey, je me bats moi-même. Mais écoute-moi bien, là. Suzuki a parti avec l'équipe qui a fini 32e au classement général. Lui aussi, il était appuyé de personne ou à peu près personne. On a bâti dans zéro. Zegras est parti lui aussi à zéro. Mais Suzuki, tu le mets dans l'équation pour savoir qui peut aller chercher. Il va dire une chose, il va avoir 32 équipes avant Zegras pour Suzuki. Ça, je peux te garantir. Ça, je te garantis aussi que Suzuki a beaucoup de valeur parce que c'est un joueur de centre sur 200 pieds qui s'améliore tous les ans. Mais moi, qu'est-ce que je veux dire, là, Jean Perron, c'est que Zegras, l'an passé, à l'âge de 21 ans, il a marqué 65 points. Mm-hmm. C'est un des joueurs les plus spectaculaires de la Ligue. Il y a des mains parmi les meilleurs de la Ligue.
Puis moi, je prendrais une chance sur ce gars-là. Pourquoi pas? Puis, hey, il donne puis un Tony, spectacle. Tony, de la façon que Slavkas qui joue, là, le duo dans, du premier trio, c'est quasiment rendu Suzuki-Slav. Fait que tu te retrouves que Caulfield, il veut jouer avec Zegras. OK, il fallait jouer avec. Peut-être. Ou Zegras pourrait jouer avec Doc. Ou ah Doc, ouais. À un moment donné, pourrait jouer avec, avec Suzuki puis Caulfield. Puis Slavkowski pourrait jouer avec Zegras qui joue au centre. Parce que Zegras peut jouer au centre et à l'aile. Baron, je vais juste ajouter quelque chose, là. Guillaume Latendresse vient de parler de Jack Eichel, OK? Moi, quand je travaillais pour la radio anglophone, je faisais des reportages à un moment donné. Les Canadiens jouaient contre les Bruins dans les années 2000 dans les séries. J'ai décidé de faire le voyage, aller à Boston. On se rend au 7e match. Est-ce que vous en souvenez, les gars? On se rend au 7e match. Un article sort, puis les Bruins étaient favoris pour gagner cette série-là. Un article sort le matin. Kevin Paul DuPont du Boston Globe. Joe Thornton, c'est pas un leader. Joe Thornton, c'est pas un capitaine. Puis Joe Thornton, c'est pas unanime dans le vestiaire des Bruins. Joe Thornton, jamais rien gagné. Joe Thornton, jamais rien. Tous les rapporteurs, ils étaient partout sur Joe Thornton, questionnaient qu'est-ce que tu penses de. Non, non, mais il n'a jamais rien gagné. Quoi à dire? OK, un instant. Tous ses coéquipiers aussi. Je suis parti de là. J'ai dit, hey, les Bruins sont ébranlés. OK? Canadiens vont gagner la série. Ils ont gagné le 7e match, ils ont gagné la série. 7-8 mois plus tard, 7-8 mois plus tard, Joe Thornton est échangé aux Sharks de San Jose pour 3 joueurs. Joe Thornton, la même année, était le meilleur pointeur de la Ligue. Il a gagné le MVP de la Ligue, là, tout ça. Il n'a pas gagné la Coupe à San Jose, je comprends. Il y a un point qui a gagné que je dois te donner, Tony. Il y a un point que je dois te donner. On est souvent sur la même longueur d'onde. Ce soir, je vais te donner un gros point, tu as raison, c'est que Howie Lagorgé, de Sangria, chef, je peux juste te dire que moi, je suis tanné que le Canadien ait toujours des choix au repêchage. Tu viens de parler d'un joueur qui pourrait aider le Canadien. Je l'ai vu jouer à peu près 10 fois. Alors, je ne peux pas me prononcer sur ce gars-là. Je voyais juste jouer à Eichel. Je l'ai vu jouer au moins 40 fois. Je pouvais me prononcer. Sur Trevor Zegras, je l'ai vu jouer 10 fois au max. Alors, ce que j'entends, c'est peut-être pas nécessairement la vérité. Parce que, oublie pas qu'une médaille, mon cher Tony, ça n'a pas deux côtés, ça a trois côtés. J'ai une question. Ta version, ma version, puis la vraie version. Ouais, mais... Alors, mais une chose est certaine, c'est un joueur établi dans la Ligue nationale. C'est plus que les Moses de choix repêchage. On en a combien les deux prochaines années? 24? 23. C'est comme passé. Tony, ça, cette année. Tony, ça, cette année. Tony, j'ai une question pour toi, OK? Oui. T'as une équipe en reconstruction, tu l'as vu hier, même pas capable de patiner sa glace. Ils sont dans le fond du classement, ça fait quelques années, OK? Ils ont tous des jeunes joueurs. Pourquoi qu'ils se débarrassent? Puis je sais pas la réponse, mais pourquoi qu'ils cherchent à se débarrasser de Zegras d'abord? OK, mais chaque équipe qui se débarrasse d'un joueur, ça veut pas dire qu'ils ont raison. Calgary, est-ce qu'ils ont eu raison de se débarrasser de Martin Saint-Louis? Je suis d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais il y avait leur raison quand même de s'en débarrasser. Puis il faut pas. Oui, ils quand avaient même... raison. Comme, écoute, Chicago avait raison de s'en débarrasser de Kirby Dog. Peut-être c'est parce qu'ils voulaient tanker, parce qu'ils voulaient Bédard. Peut-être. Peut-être parce qu'ils se laissaient à chaque game. Peut-être parce qu'ils ne croyaient pas. Peut-être parce qu'ils se laissaient à chaque game. Fragile. Écoute, Échange pas un joueur de centre de 21 ans qui était choisi 3e au repêchage. À 21 ans, pour 2 choix au repêchage, là. Tu ne fais pas cet échange-là. Les Blackhawks l'ont fait. Écoute, peut-être, Max, peut-être Zegras n'est pas bon dans le vestiaire. Peut-être. Mais c'est pas à moi de faire ces recherches-là. Non, c'était Kent Hughes, c'était Jeff Wharton. Ouais. Moi, je te dis, il y a des bonnes mains. Il y a des habiletés fou. C'est un joueur spectaculaire. Les gens à l'aréna, ils vont être debout quand il va toucher à la rondelle. Il va avoir Puis il vient d'un collège américain. Hey, il a joué avec moi, là, les gars, je vais vous parler de Tony Marinaro que j'ai lancé dans le domaine médiatique. Tony, tu t'en souviens, tu étais un nobody à Montréal. Puis à un moment donné, tu m'as demandé d'aller jouer avec Zinedine Zidane. Tu as dit, la première des choses, c'est le joueur le plus spectaculaire au monde. Puis finalement, je t'ai donné l'opportunité de jouer avec Zidane. Depuis ce temps-là, ça, tu veux juste avoir des joueurs spectaculaires. Mais des joueurs spectaculaires, s'ils ne sont pas capables de rentrer dans une équipe,
Ben, oublie ça. Ça fait que toi, tu devrais me remercier, me baiser les pieds pour avoir travaillé avec Zidane lors d'un match de foot. Depuis ce temps-là, depuis ce temps-là, ben là, t'es parti sur les joueurs spectaculaires. Ben, Jean, il se rase pas, bon. Hey, non, mais ça, c'est vrai. Zinedine Zidane, en 2009, il est venu à Montréal pour jouer dans un match bénéfice. Puis c'est qui le gars en arrière de tout ça? C'est Jean Perrault. C'est écœurant, ça. Hey, moi, je place des appels. Comment je peux jouer dans ce match bénéfice-là? Puis on me dit, appelle Jean Perrault. Ça a l'air qu'il est plugué avec le tournoi. Puis Jean, si je ne me trompe pas, tu as même donné une petite visite à Zidane quand il était à Montréal. Est-ce que tu étais. Ah ouais, moi je lui ai montré quelques endroits. Ben écoute, à un moment donné, on est obligé d'arrêter de montrer des endroits. Il est en train de brûler notre budget. Mais là, vous savez que sincèrement, là, quand je l'ai dit, on ne parlera pas du joueur des Ducks d'Anaheim, de Zegris. Ça fait déjà 15-20 minutes. On n'a pas parlé encore. On a trouvé à parler. Joël Vert, c'est lui. Mais y a-tu quelqu'un dans vous autres? Vous êtes des anciens de la Ligue. Chris Tourné, il m'a pogné une envie de pisser un moment donné. Oui, je sais. Non, mais c'est pas. Il y a un trou dans sa chaise. Sacrament. Hey, hey. Depuis que je vous connais, je bois comme un poisson. Tourné, ça devait, c'est. Alphonse, passe-moi le pot trop tard, ramène la mop. Mais tout ce que je peux dire, c'est qui est capable, à un moment donné, de savoir quel est le problème de Trevor Zegras? Vous écoutez en parler, là, okay. Ça fait des okay. On va en parler, mais avant de donner la réponse... C'est le problème. Avant de donner la réponse, je vais juste répondre à Max, là. Max, moi, je pisse pas chez moi. Okay. Si tu penses que je vais aller pisser à un moment donné, moi, je pisse pas chez moi. L'eau est froide. Ouais, mais arrête de pisser dans le lavabo. OK. On parle de cette joke-là. Là. Je sais pas de quoi vous parlez. Ah, Jean, ça, c'est des affaires que certaines personnes peuvent comprendre puis d'autres qui l'ont jamais vécu. Ah, OK. Parfait. Hey, là, en parlant de ça, Maxime, là, quand moi, j'ai mentionné le nom Carl Che la semaine passée, tu m'as repris, ou encore c'est Guillaume, tu as dit Carl Che, c'est quelque chose d'autre. C'est quoi? C'est Kelsey. La viande? C'est Kelsey. Je le sais qu'il s'appelle Kelsey, mais tu m'avais repris de dire Kelsey, c'est quelque chose de vraiment différent. Je ne sais pas. Vous avez fait une message. Pendant que tu es là, coach, là, j'ai une question à te poser. Coach, j'ai une question à te poser. Ouais. Aurais-tu aimé ça comme coach qu'un gars qui te pousse? Ah bon, je t'ai vu venir. Ben, c'est ça. Toi, coach, là, un gars t'aurait fait ça, là. M'a dit une chose, je ne sais pas ce que tu aurais fait, mais s'il avait fait ça à Dan Campbell, le gars des Lions de Détroit, je te garantis qu'il s'est retrouvé cul par le tête Travis Kelsey. C'est beau à briller les choses par la suite, mais je trouve vraiment qu'il a manqué de respect avec son entraîneur-chef. Toi, Johnny Boy, qu'est-ce que tu aurais fait? À dire une chose, il y aurait eu une réunion au sommet. Premièrement, je ne sais pas pourquoi... Mais non, c'est pendant la game. Il n'y a pas de réunion au sommet pendant une game, Johnny. Non. Écoute, il y a eu des manquements de genre. Parce que j'ai su aujourd'hui que Kelsey avait fait la même affaire 4 à 5 games précédemment. La même affaire. Nous autres, on ne l'a pas vu, mais là, on a vu le Super Bowl qui l'a fait. Mais c'est une famille comme ça. Son frère est comme ça. C'est des boulets, ces gars-là. Mais lui, il sort avec la fameuse Taylor Swift. Ça fait qu'il y a des passe-droits. Mais moi, comme moi, personnellement, j'aurais dit à Serge Savard, « Hey, tu m'enlèves ce gars-là de mon chemin, puis ça presse. Ouais, mais c'est Sidney Crosby, là. C'est McDavid, ce gars-là. Ouais, si c'était Patrick, oui, mais poussé. C'est... Le problème, gars, c'est que Crosby et McDavid n'auraient pas fait ça, oui. C'est facile. Ça aurait été facile pour Kansas City de le tasser, de l'échanger, de le mettre dehors, si jamais eux autres, c'était une équipe de perdants. Mais en voyant qu'ils ont gagné 3 Super Bowls, tu sais, malheureusement, tu prends le pire avec le meilleur. Mais moi, je veux dire quelque chose, hein. Chance qu'Andy Reid n'y est pas tombé, les gars. Ah oui. C'est ça. Imagines-tu si Andy Reid trébuche puis tombe à terre, là? Même à là, il frappe sa tête par terre, là. Ah oui. Finalement, tous les fans de Taylor Swift, ils vont dire, lâche ce gars-là, c'est un bum, il y a des problèmes d'anger management, là. Ouais. Mais ça aurait été vraiment horrible pour Kelsey, mais, tu sais, maintenant, dans la victoire,
l'histoire est un peu secondaire. S'ils auraient perdu, imagine-tu s'ils auraient tombé. Mais le geste, moi, Jean... mon homme, le geste qui reste là et ouais, des gars bien élevés. Puis des gars comme McDavid, des gars comme Crosby. Il y en a aussi au football. Mahomes n'aurait jamais fait ça. Brady n'aurait jamais fait ça. Je vais dire, c'est tout simplement un manque de classe. Puis je comprends que c'est un gagnant. Je comprends tout ça, là. Oui, mais bon, un joueur de foot qui lance son casque. De respect devant 123 millions de téléspectateurs, je vais te dire, il est capable de manquer de respect privé. Oui, mais les gars, manque de respect, là, ça dépend. T'sais. Patrick Roy, il a déjà lancé la rondelle en direction de Mario Tremblay. Puis au Québec, tout le monde était content parce que c'était Patrick, tu sais. Ouais, moi, je pense qu'il ne faut pas amener ça trop loin. C'est de l'émotion de match. Puis, il y a des gars qui lancent leur casque. Sideline, c'est pas pareil. Tu sais, au jeu au hockey, le coach est en arrière. C'est pas même. C'est pas pareil. Oui, Guillaume, là, s'il était tombé, là, Andy Reid, dirais-tu la même affaire, chef? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Non, mais il n'est pas tombé. Mais même moi, pas pardon, de question. La réponse, c'est posé... on ne penserait pas la même chose. Oui, mais je peux pas évaluer s'il était tombé. Il n'est pas tombé. C'est pas la même histoire. Ben, j'aurais peut-être si pas la même opinion. J'aurais pas la même opinion. Tu as posé une question à Jean Perron. Moi, j'en ai un pour Jean Perron. Jean Perron, est-ce que tu penses que Juraj Slafkovský a les aptitudes d'un joueur de centre? Ben, il y a peut-être des aptitudes parce que je regarde son centre de hockey est assez élevé là, à l'heure actuelle. Je veux dire, il fait des passes, il est bien positionné. Il a du talent. Jean, juste pour te mettre en contexte, Tony dit ça parce que hier, sur son podcast, j'ai mentionné que je trouve qu'il y a des aptitudes d'un bon joueur de centre. Il est confiant en bas de territoire, il est pesant, il a un bon bâton. Puis je sais que c'est pas un joueur de centre, mais je serais curieux de voir qu'est-ce qu'il ferait au centre pareil. Ben, écoute, c'est clair qu'il a un bon sens de hockey. Ce gars-là s'est amélioré depuis qu'il est arrivé à Montréal d'une façon exponentielle. C'est incroyable de le voir aller d'un coin, revenir, de se placer, d'aller devant le filet, de surveiller ce qui se passe en arrière. Hey, je vais te dire, l'avantage numérique a changé à cause de New Hook en arrière qui a de la bumper, créativité, qui est mobile. Puis il a changé à cause de Slafkovský qui, lui, a une nouvelle dimension parce qu'avant, c'était toujours la même maudite passe entre Matheson puis Caulfield en diagonale. C'est la passe de Suzuki à Caulfield. Et là, maintenant, on a des options. Puis ces options-là, ben, c'est méritoire pour un gars comme Slafkovský puis New York. Pourquoi changer un jeune joueur comme ça de position? Pourquoi? Non, mais je te dis pas, de le changer, là. Je te dis pas de le changer. Je te dis qu'il y a des aptitudes. Puis à un moment donné, dans sa carrière, admettons que Suzuki se blesse puis que ça va mal à la shop dans 5 ans, je pense qu'il est capable de prendre un rôle. S'il y a des... Moi, je suis d'accord avec toi, Maxime. Laisse se développer. Vous m'avez posé la question à qui ce gars-là me faisait penser à son âge, là. Ouais. Moi, il me fait penser à Éric Lindros. Éric Lindros, c'est pas un pied de céleri non plus, là. Il était capable de jouer au centre puis de brasser comme Slafkovský puis de faire une belle passe. Il était tough, là. Lindros, c'était beaucoup plus physique. Moi avant le dernier mois, parce que le dernier mois, il a monté son jeu d'un cran, là Slafkovský est un autre niveau. Puis moi, je dois dire, là, je suis épaté. Pas parce qu'il est un bon joueur. Il était repêché premier overall, là. On pensait qu'il allait être bon. Mais si bon, si vite, ça, il m'a vraiment impressionné. Je l'ai pas gagé là-dessus. Si bon, si vite. Sais-tu? Mais moi, avant le dernier mois, j'avais pensé un peu à John Leclerc. John Leclerc, c'est quand même un gars qui a eu une très, très belle carrière aussi. Là. C'est un gars qui a marqué 50 buts qu'on à quelques reprises. Qu'on a échangé jeune aussi. Là, il devait avoir un problème aussi. Oui, pour Mark Recchi et Éric Desjardins. Mais il m'impressionne. Mais mauvaise transaction de Serge. Max, le commentaire... Le commentaire que tu as fait hier soir à mon podcast, là, que Slafkovský a les aptitudes de centre, puis à un moment donné, tu ne serais pas surpris si le Canadien le mettrait là juste pour un test. J'ai compris ton raisonnement. Si on l'a fait avec Drouin. Puis ça a du bon sens. Par contre, je veux dire ça. Même si le Canadien est en reconstruction, puis même si le Canadien ne ferait pas les séries,
moi, personnellement, cet expériment-là, je ne le ferai pas cette année. Mais non. Parce que le gars, il a pris son envolé. Oui, c'est pas le temps de l'arrêter. Pas... C'est pas le temps de l'arrêter. Non, c'est ça. Je ne veux pas l'arrêter, puis je ne veux pas te confondre non plus. Tu as bien parlé de potentiel. Exactement, exactement. Merci. À l'heure actuelle, c'est sûr qu'on ne change pas une combinaison gagnante. Hey, ça va bien pour ces trois gars-là. On est en train d'avoir, pour la première fois depuis 5 ans, avoir une première ligne qui a du bon sens. Hey. Est-ce que quand vous voyez le hockey qu'on voit de leur part des dernières semaines, c'est-tu un vrai premier trio, selon vous, pour être capable de remporter une Coupe Stanley le jour qu'ils vont être entourés, ou il manque encore de quoi sur ce trio-là pour aller à un autre niveau? Non, hey, je vais dire une chose. Là avec le développement là, de Slafkovský, c'est sûr. Hey, là, t'as un gars de 235 livres, 6 pieds 4, qui sait jouer au hockey. Hey, tu parlais de Leclerc tout à l'heure. Ça, c'était la Doom Line là, avec Lindros puis avec l'autre, comment il s'appelait? Renberg. Mikael Renberg. Legion of Doom Line. Comme ligne dans la Ligue nationale, tu pouvais pas voir mieux que ça. Alors, t'as trois gars, on dit 3, 215. Mais Slav, ça peut faire... Tu sais qu'est-ce qui m'impressionne, les gars? C'est qu'on parle souvent de duo dans la Ligue nationale. Oui. Hein? Eux autres, c'est vraiment un trio, là. Attends une minute. Il n'y a pas personne pour challenger Caulfield encore, parce que tu vas voir que le jour qu'il va y avoir un autre sniper, c'est Slafkovský qui est en train de devenir le duo à Suzuki, là. Oui, mais je comprends, mais actuellement, là, les trois joueurs sur ce trio-là, ils ont tous des qualités puis amènent tous quelque chose à table. 100%. Toi, tu peux dire que tu préfères Suzuki et Slafkovský parce qu'ils sont plus complets que Caulfield. Ouais. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais Caulfield, ça reste quand même que... Les gars, il va marquer 40 buts dans la Ligue nationale. Il patine très bien. C'est un trio actuellement qui a tout. Puis à tous les jours... T'sais, on se demande à Montréal si Suzuki, c'est un joueur de première centre, si Caulfield, c'est un joueur de premier trio. Les gars, Suzuki et Caulfield, on se dit, ils n'ont pas encore un point par match, puis ça prend un point par match pour être un joueur de premier trio. Premièrement, ça, c'est pas vrai, parce que Patrice Bergeron n'a jamais connu une saison de 82 points. Mais ça, c'est bullshit. Là. Sérieusement, je ne veux pas dire bullshit, là, mais Patrice Bergeron, il était parfait à 100% défensivement. Là. Il ne faisait jamais une erreur. Ça compensait, Tony. Mais c'est sûr. Mais qu'est-ce que je veux dire, là? Suzuki, là, il est en train d'avoir une saison de 77 points au même rythme. OK. S'il est à 5 points de 82, il n'est pas un premier centre avec la logique du monde. C'est stupide, là. Suzuki, c'est un des top joueurs dans la Ligue nationale pour avoir la possession de rondelles en zone offensive. Hein? Ouais. C'est un des meilleurs joueurs de 200 pieds dans la Ligue nationale. Il y a même un paquet de statistiques avancées qui démontrent qu'il pourrait être dans la conversation pour le Selke, même s'il ne va pas la gagner parce que le Canadien ne fera pas la série puis on ne donnera pas. Mais les gars, demande au directeur général puis au coach dans la Ligue nationale s'ils prendraient Suzuki dans leur équipe, les gars. Sincèrement, là, j'ai été très critique envers Marc Bergevin. Et quand on parle d'une transaction extraordinaire, ça, c'en est une. Ben oui. Ça, c'en est une. Et puis, je me souviens d'André Tourigny qui avait donné une entrevue à la radio. Je pense que c'était à Mario Langlois. Et il avait dit, attendez de voir, alors que André dirigeait les 67 d'Ottawa, si ma mémoire est fidèle, puis il dit, attendez de voir ce jeune homme-là, vous allez vous apercevoir qui est capable de changer une défaite en victoire. Laissez-le s'adapter tranquillement au rythme de la Ligue nationale et vous allez voir ce qu'il est capable de faire. Encore une fois, André Tourigny avait vu juste. Quelle analyse, je me souviens toujours de cette entrevue-là qu'il avait donnée à Mario Langlois. Alain, on avait questionné le potentiel d'un gars comme Suzuki au début de l'année parce qu'il jouait avec Caulfield. On disait, on ira nulle part avec un gars comme Caulfield qui, à un moment donné, te demandait même si Caulfield n'avait pas peur du trafic. Ça fait que là, l'émergence de Slafkovský fait en sorte que là le prestige, l'ampleur de notre centre prend de la grosse valeur. C'est complètement différent de ce qu'on a vu au début de l'année, là, où ce que Caulfield et Suzuki, ça t'as raison, parce que je me souviens, Tony et moi, dans le podcast, là,
on avait parlé qu'on aimerait peut-être voir Slavkovski s'en aller à Laval pour essayer de peaufiner son jeu, de retrouver sa confiance. Alors, je donne crédit quand même à l'état-major du Canadien et à Martin Saint-Louis d'avoir pris un gars sous son aile et de l'avoir développé tranquillement, pas vite. Puis là, il fait partie d'un excellent trio, un des meilleurs trios de la Ligue nationale. Moi aussi, je vais donner crédit aux Canadiens là, pour tout le développement avec Slavkovski puis Adam Nicklaus, département de développement, tout ça. Par contre, quand Slavkovski est en manque de confiance, qu'elle est mal en début de saison, là, moi, j'ai dit, avant de l'envoyer à Laval, donne-moi 10 matchs avec Suzuki et Caulfield, s'il vous plaît. Parce que lui, il jouait avec des joueurs qui n'étaient pas sur sa longueur d'onde. Puis, tu sais, quatrième trio, troisième trio, il n'était pas en avantage numérique. Donne-moi 10 matchs avec Suzuki et Caulfield. Ils l'ont fait, ça a fonctionné, tant mieux. Puis je dois dire, crédit aux Canadiens, parce qu'ils nous ont toujours dit le développement de Slavkovski, ça va se faire à Montréal, puis pas à Laval. Puis on est convaincus que c'est à Montréal qui va s'améliorer, puis ils ont eu raison. Puis pour revenir à Marc Bergevin, moi, Marc Bergevin, je lui donne crédit, honnêtement, pas pour la transaction pour Suzuki. Parce que Bergevin, c'est pas pour Suzuki qu'il a demandé. Il voulait avoir Cody Glass. Puis les Vegas ont dit non. Ils ont dit, on t'offre Suzuki. Marc Bergevin s'est tourné à Trevor Timmins. Il a dit, qu'est-ce que t'en penses? Timmins a dit, il est bon aussi. Ils l'ont pris. Puis ça a bien été pour le Canadien. Moi, là où est-ce que je donne beaucoup de crédit à Marc Bergevin, là, c'est que, si tu t'en souviens, là, Marc Bergevin, tôt dans la carrière de Suzuki à Montréal, il a donné le contrat de 8 ans. Là. Oui, monsieur. Après quelques saisons à Montréal, il lui a donné le contrat de 8 ans. Et il y en a qui se sont dit, un instant, là, contrat de 8 ans à 7,875 millions par année, je ne sais pas, le gars, il n'a pas fait ses preuves. Moi, à un moment donné, j'ai dit à Marc, wow, contrat de 8 ans. Il dit, Tony, moi, je vais être parti de Montréal. Puis Suzuki va être là pendant longtemps. Puis tu vas voir, il va être le meilleur joueur des Canadiens. Puis il va être le centre numéro un des Canadiens pour longtemps. Tony, ça va être lui, le leader. Puis Marc, il avait raison. Tony, t'as fait une envolée oratoire extraordinaire. Mais t'as mentionné un nom que t'aurais jamais dû mentionner. Moi, j'ai rien contre Bergevin. Mais le Trevor gars que, Timmins, tu l'aimes pas. Que, oui, le je gars sais. Qui a coulé Bergevin, c'est Timmins. Lui, tu n'aurais jamais dû le mentionner dans ton novel envolé oratoire. Jamais. Un instant. Pourquoi Trevor Timmins a coulé Marc Bergevin? Dis-moi, puis moi, je vais te répondre. Dis-moi pourquoi il a coulé. Hey, oh, mais Tony, là, arrête, vérité absolue, là. Je vais te ramener tes paroles. Tu commences à ta vérité absolue, Tony, arrête. T'es pas le bon Dieu. Pourquoi Trevor Timmins a coulé Marc Bergevin? Tony Marinaro, je vais te rappeler qu'est-ce que c'est que tu m'as dit concernant Timmins. Tu as dit, moi là, j'ai rencontré Timmins puis j'ai posé la question, pourquoi qu'on te voit pas trop souvent dans les arénas du Québec? Et tu avais répondu, puis c'est ça, c'est tes paroles, tu me dis à moi, que Timmins croyait que la Ligue junior majeure du Québec, c'était la dernière au bas de la liste du junior. Vrai ou faux? Je vais être bien honnête avec toi. Je m'en souviens pas, mais je sais que toi, Jean Perron, t'es pas un menteur. Donc, je te dirais que je suis d'accord, là, peut-être. Ben, mais merci, merci. Mais le Canadien, ils n'ont jamais vraiment aimé la Ligue junior majeure du Québec. Ils n'ont jamais investi beaucoup d'argent sur les dépisteurs dans la Ligue junior majeure du Québec. Moi, ben, ça, c'est pas vrai. Ah, oh, ben là, m'a dit un affaire, mon petit Tony. Écoute bien. Là, ah, Tony, j'ai eu la chance de côtoyer Denis Morel pendant des années. Denis Morel, il est partout. À un moment donné, il a vu plus d'une centaine de matchs de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Il a vu, à un moment donné, au total, 169 matchs, qui m'avait dit une année. Jamais on lui a posé des questions sur les joueurs qu'il avait vus. Et il en avait vu 160 quelques matchs. Alors, arrête là, de dire là, que Serge Savard, là, ce qui a fait son nom là, quand il est arrivé Canadien, c'est là qu'il a sincèrement là, enlevé le tapis sous les pieds des Nordiques de Québec quand il a commencé à repêcher des joueurs francophones. Okay, oui, mais si je me souviens. Un instant, si je me souviens. Mais si je me souviens,
si je me souviens, le directeur de dépistage, Jean, tu me corrigeras, de Savard, c'était André Boudria. Oui. N'est-ce pas? Mais quelle différence ça a, là? Quelle différence ça fait? Quand même, t'es André Boudria, c'est quoi, là? Mais donne-moi un petit instant. Mais donne-moi un petit instant. Boudria était basé au Québec, donc c'était lui son territoire. Timmins est basé en Ontario. Écoute, moi, je ne suis pas ici pour défendre Timmins. Loin de là, parce que les erreurs, Timmins, les erreurs, André Costetine, c'était une erreur. David, je ne reviens pas ce que tu me dis. C'était une erreur. Écoute, il y a quelque chose, je ne reviens pas ce que tu me dis. Parce que Trevor Timmins est basé en Ontario, il dénonce les joueurs du Québec, parce qu'André Boudria est au Québec. Favori des joueurs du Québec, je vois le faire. C'est pas Trevor Timmins qui a dit à Marc Bergevin d'échanger Sergachev pour Jonathan Drouin. Marc Bergevin l'a fait pour faire plaisir aux membres des médias au Québec. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas drafté... Les membres des médias au Québec, vous demandez toujours. Ça. Vous voulez Tony, Drouin, mais toi, tu fais partie des médias du Québec, mon Tony. Tony, Pierre-Luc Dubois, Tony, tu fais partie des médias du Québec, je vois le verre à t'entendre parler. Oui, mais moi, je sais quand un gars, il y a du cœur, il n'y a pas du cœur. Hey, moi aussi, je voulais être Drouin à Montréal à un moment donné. Bon. Sais-tu pourquoi? Parce que tout le monde à côté de lui m'ont pissé dans les oreilles que bon, Drouin, tu vas voir, il veut jouer pour le Canadien, il veut venir, il va être bon sur la pression, il a toujours joué bien sur la pression. Puis quand ce n'était pas le cas, puis je me suis aperçu, j'ai dit, ils m'ont menti. Hey, they fooled me once, mais ils m'auraient pas convaincu de Pierre-Luc Dubois parce que j'avais vu cette cassette déjà. Je parle pas de Pierre-Luc Dubois, là. Je suis pas là, là. Mais je vais te dire, mais, OK, non, je vais revenir à Timmins. Toi, tu savais, est-ce que Timmins, avant que tu fasses l'échange, que Drouin ferait pas de job. Tu le savais avant. Est-ce que... Non, je le savais pas. Mais est-ce que Timmins a dit à Bergevin... Mais tu dis que les autres ont pissé dans tes oreilles. Est-ce que Timmins a dit à Bergevin d'échanger Sergachev, oui ou non? Est-ce que Timmins a dit à Bob Gainey d'échanger McDonough pour aller chercher Gomez? Tu sais, ils ont échangé beaucoup de ces joueurs aussi, là. Ça, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, mais écoute... Timmins, il a repêché... Il a repêché... Tant qu'à ça... Il a repêché Gallagher, Baron, mais... C'est l'autre, là, comment il s'appelait, le gros... Shane Chola qui a repêché Kotkaniemi. Moi, je pense que c'est toujours Timmins. Moi, je le pense c'est toujours Timmins. Un excellent choix de pêchage. Un excellent choix. OK, OK. Et c'est qui a repêché Cole Caulfield, Baron? Baron, c'est qui a repêché Cole Caulfield? C'est Trevor Timmins. Regarde le documentaire des Canadiens. C'est lui qui a dit à Bergevin, let's go with Caulfield. Le meilleur joueur disponible à ce moment-là. Tu sais, c'est le meilleur joueur disponible à ce moment-là. Non, non, mais ça, écoute, c'est... J'espère qu'à un moment donné, on a repêché quelques bons, là, avec 11. Comment qu'il a été donné, lui, Timmins, comme repêcheur des Canadiens? Trop longtemps. Ben, en tout cas. Il y a 20 ans environ de 2003 à 2022. Il faut que je vous conte une anecdote. À un moment donné, vas-y. Je fais partie d'un pool. Hey, n'oubliez pas que c'est à Saint-Valentin, hein? Ouais. On a besoin de tendresse. Pool, fait que mets là, mon chandail rouge. Il s'occupe du pool, à Chandler, il dit... Jean, qu'est-ce que tu penses du Canadien cette année? Ah, ben j'ai dit, je pense que ça va être une année difficile, mais de toute façon, on va leur donner encore une chance. Ouais, mais il dit, qu'est-ce que c'est qu'il faut qu'on change pour que ça s'améliore? Ben j'ai dit, le premier qui va partir, ça va être Timmins, puis quand il va partir, je paye la traite à tout le monde, il y avait 120 personnes dans la salle. Hey, combien? Peux-tu imaginer quand Timmins a été congédié dans la même année? Le chef du le bar, il m'a appelé, il dit: Hey Jean, t'as fait une promesse, maintenant faut t'en tienne. Ça m'a coûté quelques cent piastres. Je veux pas partir la marde par contre, là, mais quand tu regardes l'alignement en ce moment, il y a beaucoup de joueurs quand même qui viennent de Timmins / Bergevin. Là. Hayden Gooley, c'est Trevor Timmins. Non, ben non, c'est ça, ouais, mais c'est ça. Bravo, je dis, Tony. C'est ça, je dis, tu sais, faut faire attention. Par contre, il y a eu des bons, ouais, mais il y en a eu des moins bons. Ouais, ouais, mais il y a eu une très mauvaise ils séquence. Mais regardons l'équipe. Mettons, on analyse vite. Caulfield, c'est Timmins. Oui. Suzuki, oh, oui. C'est Timmins. OK. Oui. Bon, après ça, non, ça Hayden Gooley, c'est Timmins. Harris, c'est Timmins. Jaden Struble. Ah, ça, tu peux l'oublier. Ben, Struble, c'est Timmins. Logan Mailloux. Logan Mailloux, c'est Timmins. Il faut que tu dises que si tu amènes un gars comme Kachuk qui est avec les sénateurs d'Ottawa au lieu de... Hey, là, ouais. Là, c'est plus pareil comme équipe. Là. 100%. On sait que c'est là-dessus.
Jean, t'as raison. C'est une erreur colossale qu'il a faite. Mais moi, je vais te dire quelque chose. C'est pas pour le défendre. Moi, je vais te dire toutes ses erreurs. André Costetin, c'est une erreur colossale qu'il a faite. Il n'y a pas d'excuse. Il a fait une erreur colossale. C'est quel Fisher, quel pic? Il a fait une erreur. Ouais, c'est mon draft, ça. Je veux juste vous dire. Dixième en 2003. Ouais, c'était Getzlaff. C'était toutes les big guns après. Puis Getzlaff, Carter, que ça, en deuxième ronde, on avait deux choix. Ils ont pris Corey Urquhart puis moi. Puis on aurait pu prendre Shea Weber et Patrice Bergeron. Ouais, que ça, c'est un tough year. Puis Corey Urquhart qui jouait pour le junior. Il jouait avec moi, bon. Whatever. Moi, te dire, c'est un gars qui se traînait les pieds, qui avait peur de son ombrage, puis il s'en va choisir en deuxième round. Marc, je me trompe-tu ou ben non, je me trompe pas. Il joue avec moi, c'est un joueur de finesse qui n'allait pas dans le trafic. C'est aussi simple que ça. Le plus pire repêchage de Trevor Timmons, 2003, qui était une génération de rêve, c'était son première année de repêchage, malheureusement pour lui. C'était un recrue, mais c'était son plus pire. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Trevor Timmons, il a fait des erreurs comme Galchenyuk et Kotkaniemi. Galchenyuk et Kotkaniemi, quand il les a choisis comme troisième overall des deux, des joueurs de centre, les gars, oui, il a fait des erreurs colossales. Mais sais-tu pourquoi il les a repêchés? Parce que son directeur lui répétait tout le temps, son directeur général lui répétait tout le temps que c'était impossible pour aller chercher des joueurs de centre dans une transaction. Ouais. Tandis que Kent Hughes, quand il est venu avec le Canadien, 6 mois plus tard, il est allé chercher Kirby Doc. 6 mois! 6 mois! Non, non, mais je comprends. Marc Bergevin, c'est 8 ans et demi. Tony, à soir, Tony, ne mélangeons pas Viagra et Sangria, s'il vous plaît. Non, mais... Tu vas finir de même. Non, non, mais Tony m'a dit une chose, là, t'es rendu un petit peu les jours rouges. Pourquoi? Je te sens colérique un peu. Ça c'est ma pression à 150 sur 120. Mais dis-moi quelque chose. Vas-y. Vous ne dites pas les vraies affaires, là. Bon, ça y est. Les médias au Québec sont responsables pour beaucoup de déboires du Canadien. Pas Tony Marinaro, parce que lui, il sait plus. Mais non, c'est sûr, t'es pas au Québec, toi, t'es en Ontario. Pourquoi ils ont repêché Louis Leblanc? Pourquoi? Pression. Parce que Jeff Molson avait besoin, puis ça avait lieu. Non, c'est ça, Pierre Boivin, c'est ça. Pierre Boivin disait à Trevor Timmons qu'il fallait repêcher Louis Leblanc parce que tout le monde scandait Louis. Puis c'était pas pour des Joe Louis, là. C'était pour Louis Leblanc. C'est-tu Kreider qui a été repêché tout de suite après? Oui. Chris Kreider. Eh, mon Dieu. D'abord, il n'aurait pas blessé Carey Price. C'est lui qui voulait. Je te dis, c'est lui que Timmons voulait. Écoute, c'est facile à dire après. Moi, là, c'est vous ce qui arrive. C'est facile à dire après. C'est lui que je voulais. Après. Prends-les, Chris, quand tu peux le prendre. Au lieu de dire après. Moi, là, sais-tu... Dans notre milieu, là, ce qui me dérange, là, c'est que là, c'est dans le match d'hier. Le match d'hier est fini. On regarde le match de demain. OK? Est-ce que le Canadien va être capable de répéter, de jouer? Ça prend une équipe. Et là, présentement, je trouve que le Canadien est une équipe à peu près à 60 %. Il nous en manque, mon boy, puis il l'a dit encore une fois, Ken Hughes, le travail de reconstruction est loin d'être fait. Fait que là, je me place dans la peau des partisans du Canadien, parce que toi, Tony, t'es en Ontario, t'es pas un média du Québec. Mais je vais parler au nom des médias du Québec. Non, je suis à Ville-la-Salle, mon chum. Ville-la-Salle. Okay, c'est correct. Je me place dans la peau des partisans du Canadien, là. La lumière au bout du tunnel, ça va-tu être aussi long que notre maudit système de santé ou bien non, de refaire le tunnel? Non, mais Baron, la lumière au bout du tunnel... Une goutte dans le Baron! La lumière au bout du tunnel, il est déjà allumé, Baron. Ils ont un premier trio à Montréal qu'ils n'ont pas eu. La dernière fois qu'ils avaient un premier trio à Montréal qui était bon, j'étais mince. Non, mais ça m'a dit une chose. T'étais bon. Ça, c'est dans un autre vie, mon Tony. Mais ben là, ben, que tous les gars qu'on a engagés pour l'encadrement du club, on a à peu près 500 000 choix au repêchage. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui sont bons là-dedans. Mais Johnny ça, Boy... Ça va être bon dans 6-7 ans, mon Jean. Mais Johnny Boy... Dire chose, pas sûr qu'on va être en cause de ce monde. Mais Johnny Boy, c'est ça que moi je veux dire, là, en fin de compte. Là. Timmons, il a fait des erreurs, je te l'avais dit, là. Il a fait avec Fisher, il a fait avec Costetin, il a repêché pour du gros sur son équipe, comme Tinordi puis McCarron, c'était des erreurs, ça. Mais il ne faut pas oublier les bons coups non plus.
Faut pas oublier les McDonough, les Pacioretty, les Subban, les Gallagher, les Halak, les Strite, les Gouli, les Harris, les Caulfield. Faut pas oublier. On a-tu le gagné à Montréal quelque chose depuis ce qu'il est là? Bon, mais il y a beaucoup d'équipes en haut. Est-ce qu'ils ont gagné quelque chose comme... Il y a 8 équipes en haut. Il aurait pu le mettre dehors. Il était là pendant 20 ans. On n'a pas amélioré l'équipe depuis 20 ans. Ça fait qu'il y a quelqu'un qui doit être responsable pour toute l'organisation. Je suis d'accord. Puis Jean, il ne faut pas que tu t'approches de la caméra que ton point est plus fort. Non, c'est parce que... Je suis habitué de voir Tony avec ses lunettes de soleil. Il me semble que ses yeux sont plus beaux. En parlant... les boys, vous savez que dans les 10 dernières années, là, ouais. les 10 dernières années, qu'on parle le Canadien qui a déjà été un modèle et je compare les Bruins de Boston qui sont devenus un modèle. Ouais. Dans les 10 dernières années, on prend les points au classement. Savez-vous combien le Canadien a de points de moins que les Bruins de Boston dans les 10 dernières années au classement général? 226 points. 226 points dans les 10 dernières années. Et t'as raison. Ça, là, non, c'est... Ils ont eu 110 l'an passé. C'est pas grave, je te dis. Je te dis qu'ils ont 226 points moins en disant... Calvaux, c'est des points, ce chef-là. Mais Baron, tu compares à l'équipe qui a peut-être fait un des meilleurs jobs de repêchage dans la Ligue. Time out, ils ont eu une année, trois choix de première ronde, puis ils n'ont pas pris Barzal, ils n'ont pas pris personne. Là. Les trois n'ont pas joué vraiment. T'as raison, mais c'est aussi le même club qui ont repêché Patrice Bergeron. Ben oui, deuxième ronde. Deuxième ronde. Brad Marchand. Oui. David Pasternak. Oui. Ils ont signé comme agent libre, Zdeno Chara. C'est-tu à faute à Timmins qu'il n'y a aucun agent libre qui veut signer avec le Canadien? Je suis d'accord. Timmins, 226 points de plus au classement, Tony. Hey, Tony commence son podcast. On l'a enragé avant qu'il commence son show. On est vraiment désolé. Ça aurait pu durer 8 heures à soir. Timmins, il n'était pas parfait. Mais le problème avec le Canadien, il n'y a jamais eu de système de développement, encadrement. Ils l'ont maintenant. Malheureusement, lui, il ne l'a jamais eu. Ça, c'était un plus grand problème du repêchage de Timmins. Avec ça, je vous laisse. Salut, Tony. Merci, boys. Marinaro, écoute-moi bien, ma partie. On a oublié de parler de la culture de hockey du Canadien. C'est une équipe du Québec. On aurait dû faire ce que Serge Savard a fait. Tout le monde a oublié ça. Puis aujourd'hui, tu te retrouves. Timmins, c'était basé en Ontario. Des gars qui arrivent de la Russie, puis ont été cachés en arrière d'un arbre à quelque part. Tes voisins t'applaudissent à la galerie. Là, va faire un salut. Salut Aline et toute la gang. Perron, merci tout le monde. Je t'adore, puis j'aime ton T-shirt, puis demain, il va aller à Village des Valeurs. Il va m'acheter un comme ça aussi. Non, il va pas chez Croteau, toi, demain. Je vais pas te voir là. Hey, salut les boys. Ton nez sans rancune, mon chum. Salut, sans rancune, je t'adore, je t'aime. Ça sème, Saint-Valentin. Il est en feu. Merci à Jean, merci à Baron, merci à Tony. Il y a quoi de big qui s'en vient dans quelques minutes? Là. On a une belle quoi talent. De très gros qui s'en vient? Et c'est la nouvelle zone Molson qu'on vous a parlé, le fameux quiz Molson qu'on essaye avec deux gagnants. Aujourd'hui, c'est Amélie Poulain et Steve Sirois qui vont être avec nous pour gagner des prix de Tricolore Sport et bien sûr la chance d'avoir des billets pour un match Centre Bell à la fin du mois. Donc, restez là. Dans 5 minutes, on revient puis on fait le quiz Molson. David Savard, c'est probablement le joueur obscur à soir. Là. Il est souvent. Oui, mais tu sais, il a coupé beaucoup de jeux qui ont lancé l'attaque du Canadien, que ça a viré en des chances de marquer et des buts, dont celui de Evans, où je pense que c'est lui qui a coupé la rondelle en avant du filet. Donc, C'est un gars qui n'est pas flashy, mais qui est tellement important. Puis ça réenforce encore plus le fait que c'est un gars que j'aurais de la misère à me départir. Je peux pas voir qu'on se départirait de lui pour encore un choix au repêchage. Pas cette année. J'en ai parlé, moi dans mon article, c'était ça. Toi, tu voulais qu'il te débarrasse, toi. Non, asti, il va leur lire qu'on lit. Le lit, mon bébé. Ouais, on l'a lu. On l'a lu, ton reste. On va leur lire, asti. Simon, voudrais-tu le barrer, lui?
Ouais, hey, hey. Il dit en partant, je l'adore, Savard, puis je veux le garder, mais, je l'aime. Mais, il y a une reconstruction, il y a un plan. S'ils veulent suivre le plan, c'est mais, sûr que tu as un offre de premier choix. Tu fais quoi? Ben non, Chris, on ça. Hey, on a 8 des choix de première ronde. On a 30 choix de première ronde. Arrête, Asti, ouais. Tu ne gagneras pas la Coupe Stanley avec juste des choix, là. Ça, je dis, je ne pas dit, mais la reconstruction, c'est quoi? C'est quoi une reconstruction? Dré, tabarnak, tu peux pas. OK. Comment tu veux monter une équipe des jeunes avec des astuces qui mettent jambon? On va en chercher cet été, des vétérans, il va en avoir demain. Non, tu peux pas les échanger. Arrête, tu peux prendre tes choix de première ronde. Écoute-moi, tabarnak. Non. Tu peux prendre tes choix de première ronde. Simon, veux-tu bloquer, s'il te plaît? Tu peux faire des trades avec. Penses-tu que Hughes, avec ses premiers choix, ses deuxièmes choix en deuxième rang, il va juste aller drafter, il va les utiliser avec un Harris, avec un gars, il va aller essayer d'aller chercher un jeune joueur d'impact. Fait que tu sais, les premiers choix de même peuvent servir dans un c'est échange ailleurs. C'est ça qui faut ton faire. Vétéran à une prochaine à la défense que tu veux qui continue à montrer cet exemple? Tabarnak, la personne qui fait savoir, est-ce on va peut-être aller signer, est-ce on va peut-être aller chercher un autre gars, Chris, dans NHL. Je dis pas débarrasse-toi de Savard, mais si le téléphone sonne, puis il va sonner, veux pas, parce que Chris, c'est un joueur de prochain, une coupe prochain, cette année. Tu l'échanges. On s'en reparlera. Moi, je pense que Savard... Vous allez vous excuser en tabarnak. S'il se fait échanger, vous allez venez me manger Bray, une couille. On ne dit pas qu'il ne sera pas échangé non, ou qu'il va se faire échanger. Fais, on non, dit je qu'on vous fais un teabag d'en face, oui, les deux. Si Savard est échangé, je vous fais un teabag d'en face, les deux. Non, ça va être ça. Hey, on va se pencher, vous direz. Je m'assois, un petit parachute, hein, calice, j'allais goûter à ça, tabarnak. Hey, ça moi, je vais le filmer. Je vais le filmer, m'envoyer ça à 9-1-1. Je dis pas que je veux m'en débarrasser, mais il y a à peu près 15 équipes qui vont appeler pour Savard. C'est ça, je ils vont appeler l'an prochain aussi. Oui, ouais, il va en avoir. Ça. Fait qu'on va voir, mais bon, le Chris, hey, on le gardera. Moi, ça, j'aime l'énergie ça. De Gignac. Marqué son premier but dans la Ligue nationale ce soir. Ouais, ouais. C'est vraiment content pour le gars. Hey, by the way, là, lui, il a quand même une bonne tête de hockey. Il est toujours bien placé. Il crée des. Tu sais, je regardais la game ce soir. Là, il crée tellement de turnovers, là, des revirements. Là, c'est incroyable. De manière qu'il se place, hein? Comment qu'il... Oh, il est toujours, toujours. Tu l'échecs avant. Il joue bien. Vraiment content pour moi, lui. Moi, j'aime mieux un gars comme lui qu'Elonen ou Suncat. Oui, ça met à l'heure. Là. Il est capable de tuer des punitions. Elonen, il a pas la grit pour jouer Suncat. Non, moi, j'adore ce que je vois de Gignac. C'est une sorte d'opportunité de marquer un gros but ce soir. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi Suzuki en piqué, à quoi servent le 70, 55, 40, 71, 56 et 74 qui est Gignac? C'est tous des gars qui sont supposés jouer en piqué, ça. Fait que là, c'est quoi? Je pense qu'on essaie des affaires, là, peut-être. Hein? Non, Suzuki, c'est un gars qui est intelligent, c'est un gars qui est bon, c'est mis en jeu. À long terme, moi, j'aimerais qu'on lui sauve l'énergie en le mettant pas sur le désavantage numérique, mais comme entraîneur. Puis même lui, il veut jouer en piqué. Là. Il veut jouer en désavantage numérique. Mais oui, tu l'as bien dit. T'sais. Un gars comme Anderson, là, il n'a plus de power play. Il devrait, mais il n'est pas assez intelligent pour jouer. Non, c'est ça. Lui. Puis il ne bloquera pas de shot. Suzuki. Ben, pas ça en piqué. Tu l'as vu, Suzuki a bloqué des shots encore ce soir. Mais tu sais, tu veux pas que Suzuki, mais malgré que Christy, tes meilleurs joueurs, ils vont souvent tuer des punitions. Ben, c'est ça, souvent, là, tes meilleurs joueurs vont tuer des punitions. Puis je pense qu'on en avait parlé un moment donné. Je vais parler de lui, là, même si tu se passe tellement d'affaires avec lui. Mais Ribeiro, là, quand je suis arrivé à Dallas, Chris, il jouait sur la première unité du désavantage numérique. J'avais été voir le coach à la fin. Quand je suis arrivé là, la première partie, j'avais... J'étais arrivé, puis là, j'étais allé le voir le lendemain. J'ai dit, hey, je vais te poser une question. Comment ça, Ribeiro joue en désavantage numérique? Il dit, Krim, c'est un de mes meilleurs en avantage numérique, fait qu'il sait ce que l'autre bord vont faire. Mm-hmm. Tu sais, il n'est pas fou, là. Puis c'est vrai, il n'était pas fou. Lui, j'ai jamais vu un gars pas patiner pour rien de même. Là. Il était toujours bien placé, là, on va s'entendre, parce qu'il était zéro fort. Fait qu'il dit, mais il jouait bien. Il était toujours au bon endroit. Puis
Mais c'est ça. C'est un petit peu pourquoi que Suzuki joue en désavantage. C'est pour ça qu'il sait. C'est un joueur qui est très intelligent. Il va toujours être dans bonne, dans ligne de passe, dans ligne de tir. Puis c'est pour ça qu'on va l'utiliser là. Puis il bloque des lancers en plus. Là. C'est ton leader. Là. Ils doivent essayer un peu d'affaires aussi. Là. Ouais, il reste une trentaine de 40, une trentaine de games. Là. Ouais, on va essayer Suzuki, mais il en a bloqué une en deuxième. Oh, ouais. Il a fait on l'a entendu jusqu'à Pierre sur le balcon. Fait que c'est sûr que tu ne veux pas perdre ton capitaine sur une cheville brisée. Fait que, mais tu ne penses pas à ça comme coach. Je te dis, mettons, Nick Backstrom, quand j'ai joué à Washington, il tuait des pénalités, il jouait 22 minutes par match. Un petit peu le même genre de joueur que Suzuki, alimentait Ovechkin d'une façon incroyable. Il en tuait des punitions. Il était à 5 contre 3, il se mettait le genou à terre, bloquait des shots. Ça, c'est inspirant. Là. Ton meilleur joueur fait ça, puis il fait les petits détails pour gagner des matchs. C'est un bon message aussi envoyé au reste de l'équipe. La troisième période vous est présentée par Molson. Yes, sir! Nouveau segment dans la zone Molson. Bien content de lancer ça. Et on n'oublie pas que ce soit un export, une ultra ou un Excel, on lève notre Molson à votre nom. Molson, tous ensemble. Puis on cherchait une façon de jazzer ce petit segment-là, le rendre le fun pour tout le monde. Puis n'hésitez pas à répondre pendant le quiz. Mais pour participer, c'est super simple. Vous avez simplement à vous abonner aux pages Instagram de Molson Québec et La Poche Bleue et vous rendre sur notre site web lapochebleue.com dans la section concours et de vous inscrire. Il y a déjà pas mal de monde inscrit, je pense, pour participer. Fait que c'est bien le fun. Puis on est bien content de jouer avec ça. On a des beaux prix aussi qui sont des quiz de hockey. Oui, puis on donne c'est ça. À chaque fin de mois, vous avez la chance de gagner des billets pour un match du Canadien. Puis il y a des prix hebdomadaires aussi comme ça. Mais avant de commencer un nouveau segment, de faire un quiz, ben on ne change pas une bonne habitude, une formule gagnante. Puis on rentre notre chum JP. JP! Comment ça va, JP? J'ai-tu lu sur le chat que t'avais la grippe, là? Oui. C'est pour ça que tu mets ton capuchon dans la maison? Ouais. OK, ça, c'est vrai que ça règle les affaires. Puis ça, c'est un classique original, La Poche Bleue, si je ne me trompe pas. Hey, JP, oui. Tu commençais-tu à voir que nos anciens débatteurs de 110% ont décidé qu'ils étaient fâchés à soir? Oui. T'as-tu eu peur? Non. Qu'est-ce que t'as pensé de ce débat-là? Qui avait raison? Jean Perron. Ouais. Pourquoi? Oui. Parce qu'il ne veut pas que Zegris à Montréal ne veut pas. T'en veux pas, Zegris? Non. Ben, sur le chat tantôt, j'ai vu que tu as échangé. C'est qui t'as échangé? C'est-tu Byron pour Vincent Desharnais? J'ai entendu ça. Là, JP, on va faire une règle avec toi. Là. Ça fait longtemps qu'on te connaît. Là. Pas plus que 10 transactions par show, hein? Parce que là, j'ai jamais vu un GM faire autant de transactions sur un chat pendant une heure de show. Mais il gagne, pense. Ouais, JP, il gagne, pense. C'est vrai que t'es changé. Hein? Montre-moi donc ta manette. Montre-moi donc ta manette d'Xbox, là. Ah, la boîte. Ah, elle est belle en crue. JP, t'as vu le nouveau segment? On fait des quiz à cette heure. Fait que, on va te poser une question. OK. Quel numéro portait Maxime avec le Canadien? 40. Oh, ben là, c'est trop facile. Merci, JP. Quel numéro portait Maxime avec le Rocket? De Montréal Junior. Ah, ça, c'est une dure, là. 40? Non. 25. Ah, oh, 25! Ouais. Hein? Ça a été mes deux numéros. Puis 14 en AM, mais si t'as pas été là plus qu'une demi-heure, ça compte pas dans tes affaires. Ouais. Merci, mon JP. On passe au quiz, puis on tenait à ce que tu ouvres le show, même si le segment il a changé quand même. On commence toujours la zone. Avant, il y avait le numéro 25, puis il y avait tellement de chances de marquer qu'il rentrait pas, qu'il dit « Oh, lisse, il faut 40! » C'est là qu'on a le numéro 40. C'est vrai. Et c'est-tu lui, bien sûr, Jacker? Quoi? Vincent Guignan? Oui, c'est battu avec Jacker, ouais. Quand Jacker, il s'est fait mal à l'épaule. Oh... Salut JP. Salut JP. Salut boys. Yes. Oubliez pas le pool de la semaine, le pool de la poche bleue qui est encore là, collaboration de Pool Expert, Tricolore Sport, Cogeco Média et le gagnant de la semaine qui se mérite des beaux prix de la part de la gang de Tricolore Sport, Olivier Ferland-Charret. Puis regardez la casquette, je pense que c'est la casquette que Jacques Demers portait en 93, je suis pas certain, mais c'est old school vintage.
Puis c'est vraiment du beau stock. Donc, félicitations, Olivier Ferland-Charret, pour ta prestation de la semaine puis d'avoir gagné. Et n'oubliez pas, le premier prix, bien sûr, une loge comme à toutes les saisons avec nous au Centre Bell l'an prochain. Sur ce, je pense qu'on est prêt à rentrer à la première édition du Quiz Hockey de la Poche Bleue. Une présentation de nos amis de chez Molson. Donc ce soir, on a la chance, dans le pool de hockey, de recevoir Amélie Poulain et Steve Sirois qui vont s'affronter. Oh, et, ça va être bon, ça. Pour être certain des règlements, on a un juge à côté qui approuve les points, qui approuve tout. Est-ce qu'on peut t'entendre, monsieur le juge? Oui. Ah, oui, un juge ouais. Très sérieux pour ça. Ouais. Un juge très sérieux. Puis le concept est super simple. Chaque semaine, dans Zone Molson, deux auditeurs vont venir s'affronter via Zoom dans un quiz sur le hockey. Celui qui trouvera le plus de réponses remportera des prix, courtoisie de Molson. Et à la fin de chaque mois, les auditeurs qui auront remporté leur duel s'affronteront tous en finale, la chance de gagner. Salut Amélie, salut Steve. Salut les amis. Salut. Ça va bien? Très bien, merci. Très bien. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour la grosse compétition, là? Oh oui. Ça va, ça. Tourne ton sel, Steve, qu'on te voit comme du monde. On te voit avec des côtés noirs. Deux grands fans du Canadien ou grands fans de hockey? Ouais, grand fan de hockey. OK, puis toi, Amélie? Je dirais plus Canadien. Ouais, fait que okay, t'as des chances de gagner. Mais là, ça prend une certaine confiance pour se dire je vais aller faire un quiz live devant tout le monde. Ça veut dire que vous connaissez votre hockey pas à peu près, là. Oui, puis ouais. Non. Pas de pression. Fait que ça va être très simple. On a fait un tirage au sort avant le show. Monsieur le juge, qui commence? Amélie commence. Donc, le tirage a été fait. Amélie a remporté. On vous pose une question. Si vous avez la réponse, c'est 3 points. Si vous ne savez pas, vous dites « je ne sais pas », on vous donne des choix de réponse. Si vous avez la réponse après qu'on vous ait donné ces choix-là, vous avez 2 points. Puis si on vous donne, vous ne savez pas encore une fois, vous vous trompez après les choix de réponse, on s'en va à 3e. On vous donne un indice que là, si vous le manquez, bien là, vous avez 0 point. Mais disons qu'avec l'indice... Vous devriez avoir un point. Vous devriez avoir un point au moins. Tout le monde comprend le jeu? Oui. All right. Ouais. La première question pour Amélie. Combien de numéros de chandail des Canadiens ont été retirés? J'ai besoin d'un indice. OK. Ben, non, tu veux pas essayer un chiffre au cas où? OK. Ouais, je vais essayer. Ouais. 13. C'est pas la bonne réponse. Là, t'as le droit au choix de réponse, la prochaine étape. Exactement. Okay. Choix de réponse A, c'est 13. B, 14. C, 15. Ou D, 16. Je vais dire 14. 14, c'est pas la bonne réponse. Et l'indice, c'est le numéro de Alex Newhook. Je suggère très fortement de choisir entre C et D. D. D, c'est la mauvaise réponse. La réponse, c'était le numéro 15. Donc, Amélie commence avec 0 point. Ouh, tough start, Amélie. C'est pas grave. On va se retrouver. OK, on change de côté. Ma question. Deux numéros ont été portés par 41 joueurs. Soit le plus haut total chez le Canadien. Quels sont ses numéros? Je sais pas. Tu veux pas en essayer? Non. OK. Il est très confiant. Je concède le 3 points. On va te donner les choix de réponse. A, 8 et 24. B, 13 et 24. C, 8 et 24. Je recommence. A, 8 et 14. B, 13 et 24. C, 8 et 24. D, 13 et 14. C. Et voilà une bonne réponse! Wow. Deux points. OK. Fait que, Amélie, je veux pas te mettre de pression, mais disons que... T'as besoin de quoi de bon, là, qui sent? Que ce soit solide, okay. Celle-là. Une facile. OK. Ben, je te dirais. Elle est déjà écrite. Je dirais qu'elle est déjà écrite. Un seul numéro en bas de 65 n'a jamais été porté. Lequel? Je dirais 19. Non. A, 41. B, 46. C, 48. Ou D, 50. Quarante-huit. Non. Et c'est un chiffre rond, ton indice. 50. Exact. Fait qu'un point. Bon, OK.
On va y aller pour la question quand même à Steve, là, pour, par respect. Et Steve, c'est juste pour tes stats personnelles, Steve, c'est important. Pareil, là, tu sais, Gaz Egress, lui, il veut ses buts et ses passes. Que même affaire. Qui a joué le plus de matchs avec le Canadien? Chez Weber, je pense. Dans l'histoire? Ah, dans l'histoire, je ne sais pas. OK. On va prendre une A, Claude Provost. B, Larry Robinson. C, Bob Gainey. D, Henri Richard. B. Non. Dernier indice, pour un point, il portait le numéro 16. Henri Richard. Exactement, on a un autre point. Bon, ben, on a un gagnant. Fait que Steve, t'es le gagnant de la première édition du quiz Molson, la poche bleue. Félicitations. Là, il s'en va. Puis là, il va recevoir un prix, un courriel. Paquet cadeau Molson que tu vas recevoir, puis tu tombes éligible à la fin du mois pour gagner une paire de billets pour un match au Centre Bell. Parfait. Merci. Félicitations, merci beaucoup, Amélie. Amélie, merci. Tu peux te réinscrire puis revenir. Ouais. Ah ouais? T'as le droit. On donne une chance. Ça prend au moins une réponse pour être disqualifié. j'ai un point. C'est vrai. Prend tout. T'as raison. Salut, Maman. Salut tout le monde. Merci d'avoir participé. Salut. Yes. Salut. Bien, merci tout le monde. C'était le quiz La Poche Bleue, Molson. On vous remercie d'avoir été là, puis on se parle la semaine prochaine, le 20. Merci à toute l'équipe en arrière. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont participé. On se voit la semaine prochaine. La Poche Bleue, une présentation de Sport Interaction et des concessionnaires Ford du Québec.